Allez, tous en cœur. Sifflez chez vous. Sifflement, sifflement gaming, whistle.com.youtube. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour Conna. On joue à Conna. Alors, je vais pas le faire en full canadien tout le temps parce que ça sera à mentir. Ça commence. J'ai pas lancé le jeu. Je suis en train de faire mes mots d'accent. Je dédicace ce live à Tester Alpha. L'épreuve, si elle se lave. C'est le 3D qui est au top de son potentiel humoristique. Il est là, il est prêt, il a révisé tous les spectacles des Chevaliers du Fiel. Non, Conna. Alors ça y est, ça commence mal. J'allais dire ma barre des tâches a disparu. C'était pas bon. Alors on lance Conna. Alors Conna, attention. Conna, il a un joli écran titre. Il a un joli écran titre. Son écran titre, c'est beau. C'est un bel écran titre. Ah, c'est dur. Putain, c'est une catastrophe. Je vais jamais y arriver. Canada, Media Fond, Parabole. Et vous allez voir que... Alors, je vais baisser le son parce que ça va forcément me cracher aux oreilles. Ça, c'est le principe. Vous connaissez ces jeux. C'est un week-end que j'ai les frères Taloche. Ah non, mais ça, c'est pour le début. Non, on va se mettre dans le jeu. Si, si, parce que le jeu est vraiment... Ah merde, j'ai trop baissé du coup. Une petite musique chill. Alors, je vais monter un peu plus chez moi parce que du coup, j'entends presque plus rien maintenant. Céline va dénier pour gaffe. Faire ta loge. Bah oui, Simon. Hein, Simon, monsieur mon modo, qu'est-ce qu'il fait? Fait des montages de mots, une tête de connard. Alors je l'ai dit, mais quand même, faut pas le faire. C'est pas bien. Non, je rigole. Est-ce que le son ça va? Ma voix a tendance à être plus forte. D'accord, c'est que la musique pète un peu après. C'est stylé quand même. Bad Drink Coma. Ça aurait mieux marché, ça, Bad Drink Coma. C'est stylé quand même. Avec tout. Et du rock canadien. C'est quoi? Okay. Ah, c'est les slots. Ok, attention, chargement. Oui, jeu canadien, donc en français, en bon François, parce que pays francophone, et donc déjà la bêta, enfin, l'early access, qui était que 30% du jeu, si je comprends, était déjà bien traduit à ce niveau-là. Conna by Netflix. Alors, de gros chargements, tu sens que c'est des jeux qui ont du mal à être optimisés. Et je me souviens de cette intro, c'était pas très bien, c'était pas si bien. Nord-Québec, octobre 1910. Carl Faubert sought information for a living. Carl Faubert. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Détective privé à Montréal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a super vandalism. C'est Marc et le Pichon au Québec. Le postier sifflera deux fois consécutivement. Le problème, c'est que le côté détective privé, hard boy, le Canada, ça marche pas. C'est le pays où il y a tout. C'est là, mon dieu, je peux accélérer. Et c'est la musique de l'intro, TMTC. Voilà les interactions. C'est propre. Ok, les petits points. Ah non. C'est cette année parabole. Hamilton was still out there. C'est que je vois pas bien le pare-brise. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, je vois pas grand chose du décor. The entire village had William Hamilton's name written all over. Alors là, voilà, ça c'est chiant. Ça, j'aimais pas ça dans GTA. J'aime pas ça non plus dans ce jeu-là, les dialogues à lire.
quand c'est pas en français, du coup ça tue l'ambiance et je me concentre pas sur la route et... Enfin, si, je me concentre sur la route mais pas sur les textes et j'écoute qu'à moitié. Bon, j'ai mis en plutôt joli, il me semble. Bad, muddy, or snowed ça s'arrête tout seul. It was customary around these parts to close them off. Ok, donc le mauvais temps... But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Ok, donc là le truc, c'est que malgré ce que ce soit bloqué, il va falloir que j'y aille. Ça c'était déjà dans le early access. Il fonce dedans. Bah oui, pour bien voir, parce que comme ça je vois bien. Est-ce que ça vous capture? J'avais pas vérifié. Oui, si. J'allais encore faire un stream wallpaper. Bon, le son ça va toujours, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Attends, je vais baisser un peu quand même. Salut Calexas the Fox. Calexas the Fox. Plutôt joli. Je sais plus. Non, mais non, je crois qu'on peut pas les changer. Attends. Oh. Ah, ça c'est un joli petit. Alors, tu sens que c'est pensé console un peu, mais ok. Ouais, les pré-réglages, j'avais pas réussi à les changer. Oui, c'est qu'il faut cliquer dessus. Ultra, on va mettre élevé. On va pas trop mettre, voilà. Est-ce que ça... Question, est-ce que ça lag un peu, vous le retour? Je peux pas vraiment voir. On peut sauvegarder quand on veut. Ok, option audio. Alors, option audio, il n'y a pas de VF. Langue texte. Ah ouais, non, il y a langue voix. Voilà, attendez. Ah, mais il y a des voix en français, OMG. Bah oui, bah carrément. Je vais laisser les sous-titres. Des fois, c'est bien. Ah, mais je savais pas. À moins que ce soit pas vraiment dispo. Ah bah merde. Petit fluide, bon. Alors, il y a tout un petit truc, là, je sais pas ce que ça veut dire. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il a toujours un portrait à croquer de toute manière. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bonsoir la petite Sam! Comment ça va, tu arrives? Oh mais j'ai même plus de travail à faire! Je veux dire, le doublage est prévu pour mes lives! Putain, ça va être... Franchement, mais installez-vous bien, ça va être les gens en... Mon Dieu. Alors, je peux saisir équipement. Ah non, c'est que j'ai fait équipement. Ça, c'est juste mon statut. Eh oui, il y a un raccourci ici, mais je ne l'ai pas sur le PC, en fait. Peut-être pour vous jouer. Regarde, t'es... Ah, mais tu m'as envoyé un SMS. Ça va, excusez, attends. OMG, non. Me dis pas que c'est pas vrai, ça. Attends. Me dis pas que c'est pas vrai. Je croyais que c'est... Alors... Oh mon Dieu! Félicitations, ça nous fait tous un gros cœur à Sam. Je vous dis pas pourquoi, mais vous faites tous un gros cœur. Oh mon Dieu! Je suis trop content. En plus, tu me le dis en live. Voilà, ouais, je vais moi-même faire un petit cœur à Sam. Voilà. Parce qu'alors là. Je compte sur vous. Alors là, bah oui, mais du coup, comme je suis en WASD, évidemment, ça ne marche pas. C'est où déjà? C'est pour ça que j'allais dire Squeezie. J'entends pas, mon ordi est pourri. Ah bah félicitations, je te fais des gros bisous. C'est ça, je peux aussi. Carl, un beau détective, traînait toujours sur lui son journal. Mon Dieu. C'est là qu'il notait les pensées et les pistes qui ponctuaient ses enquêtes. En plus, ça fait genre... Nightbot, qu'est-ce... Ah, t'en as mis trop, Luna. Oui, c'est vrai. Recommence, Luna. Ah oh, merde, ça la time out. Oh, pardon, Luna, excuse-moi. Ah, je t'en prie, petite Sam. Mais je suis très très content. Qui est père? Non, mais des cœurs, mais de façon raisonnable. De l'affection, mais pas trop de cœur non plus. Je suis désolé. Je peux rien faire. Bah, mes 5 secondes, mais c'est bizarre. Parce que c'est pas réglé sur 5 secondes. Ah là là. Je suis tellement content. Mais écoutez, c'est un live qui est décidément sous le signe du Youpi. Carl Faubert, regardez, c'est moi, Montréal, 42 ans, je suis détective privé, c'est ce qui paye mon loyer, ça m'a pas un de vétéran. Ah Théo, tu as raté le meilleur doublage du monde. Ok, donc là je peux, voilà. Mais je suis repassé en... Ah oui, mais non, j'avais pas quitté le mode. Oui, fais un cœur à San, ça c'est ça que t'as loupé. Bon, est-ce que c'est joli? Ouais. C'est, ça reste du Unity quand même, les arbres sont, bon, sont bien mappés et tout, mais... Mais... Pardon Luna, ouais, t'as vu trop de cœur, ben oui, oh là là. Mais regardez, voilà, ça c'est des trucs qu'on voit rarement. Espèce de liane comme ça. Hein, c'est la folie. Clex, celui-là il est pour toi. Oh, c'est creepy ça. C'est bizarre. Je suis mais tellement content. Mais tellement. Ça fait tellement plaisir. Ah, je dois te sentir bien soulagé parce que moi je connais la. Oui, ben Clex, faut pas expliquer la laine, il faut l'enjoyer. Un intérieur comme ça, tu es seul à profiter, tu dis wow, il a fait une vanne rien que pour moi, je suis choqué. Ok, il faut les pinces pour. Vous voyez une caisse à outils en haut du truc, c'est bien.
Et le grand débat, mais moi, c'est le grand déballage, moi. C'est le déballage d'amour, de zizi, de cœur, tout ça. Pour Jean-Luc. Et un look. Et mais tu vois, tu es un petit peu comme... Tu vois, je t'ai fait un petit truc juste pour toi, t'es là, tu, fais, tu souris, puis tu dis, ah, les autres, ils savent pas pourquoi je souris. Oh, je suis fier, je suis dans le bataille. Qui adore les... Ah ouais, alors attention, ouais, ça c'est le genre de truc, avec ça, il faut donner du sens à tes phrases. Voilà. Si tu commences à raconter n'importe, ça va pas. Dépliant, lire, R. Manastin, il y fera bon vivre demain. Pas aujourd'hui, aujourd'hui tu viens pas. Aujourd'hui c'est de la merde, tu viens pas, mais demain, tu feras bon vivre. N'hésite pas. C'est quoi ce dépliant? Il fera bon vivre, mais pas tout de suite. Attends que la fin des travaux soit faite, parce que là, ça va pas être bon vivre. Ce jeu est fucking awesome. Bon, en tout cas, c'est fonctionnel. C'est très ambitieux. Alors, j'ai peur que ce soit trop ambitieux, mais il y a un vrai effort sur les textures. Attention, route barrée. Voilà, je vais mettre un petit coup de cutter. Décidément, aucun employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Carl devait se débrouiller seul. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. J'ai été engagé. Alors, on va essayer de faire un peu sérieux parce qu'il est vraiment bien. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que j'ouvre l'inventaire? Je ne sais pas. Alors, c'est œil journal. On peut avoir un raccourci, mais là, sur le clavier, il m'a pas. Une affaire de vandalisme. Rendez-vous au magasin. Voilà. Est-ce que je peux lire? Ouais, mais tu vois, c'est la question. Je peux pas zoomer dessus? Non, c'était juste. D'accord. Enquête. Bon, en gros, j'ai ça, mon enquête. Hamilton accusé population. Cri, sans prendre cri, je sais pas ce que c'est, peut-être les Indiens, j'en sais rien. Les cris de son gars, les riches. Ça va prendre sa mine de cuir. Okay, il a tiré une. Il a agrandi sa mine de cuir. Donc là, c'est mon client. Ok. C'est sympa, c'est très bien fait, c'est propre. Tantôt, ce seront les habitants du lac. Atimac. C'est vraiment. Pour l'instant, c'est très bien. Alan Wake, mais vu que c'est. Anna réveillée. Anna éveille. Non, non, en vrai, c'est. Pour un jeu, soi-disant, ça, même l'Early Access était un peu moins... Enfin, pour l'instant, c'est le truc de l'Early Access, c'était ça. Donne un indice. Là, j'aime bien, c'est sobre, les petits menus, voilà, conduire. Puis la VF canadienne, c'est quand même génial. Donc, financé en partie par le Canada. William Hamilton est de fonds de crédit. Une maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Bonne ambiance. Le narrateur, je suis pas fan. C'est une narration qui me... Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. Non, c'est une bonne voix. Hein, c'est pas que je me moque, vraiment, j'adore l'accent canadien. Les riches, prêt à tout pour ça s'appelait Réveiller Clex. Réveiller Clex, ouais, c'est chaud. Dernièrement, je suis Madame Réveiller Clex. Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces Michelin locaux et avait mis en branle la réouverture. Dormir debout, oh là là, oui, j'ai pas fait gaffe. Hurlements de colère et menaces dans la population cri. Cri, je sais pas ce que ça veut dire, population cri, truc local. Pour ce qu'on savait, Carl. Plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison. Okay, bon, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. C'est Lex Luthor. Canadian Drift. Dans une façon cinématique. Hein. Bien que je... Ouf, le bruit était un peu décalé, mais... Bien sûr. Selon Dark, ah, c'est eux aussi. Non, mais voilà, puis bon, c'est connu, hein. Ubisoft a bien profité des facilités de crédit d'impôt, etc. là-bas, et c'est pas pour rien que c'est devenu. C'est grâce à eux, hein, parce qu'on est Ubisoft en France tout seul, on ne saurait pas. Soir, Thomas. Le grain de l'image est un Carl peu devait clair, sortir de là. Exprès. Ah merde. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Là, ma santé, elle est down. Bon, mon petit cerveau, c'est Thomas avec un S, mais le S est livré à part. La neige, ah oui, là il pouvait pas se permettre de rater la neige qui est très réussie. Bien, 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 bien. Connard en jaune fait pas très inquiétant, on va dire. Ouais, du bon travail sur le sound design pour l'instant, c'est presque un sans faute. C'est encore un peu compliqué de considérer le chauffeur avait des guerres. Ouais. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Le narrateur, c'est super relou. Carl avait besoin d'assistance. C'est un moyen de narration comme un autre, mais vraiment... C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. C'était une petite boîte. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Photo d'Isabelle, ok. Tu prends pas la photo? Comment je peux... 2, 3, 4. Ok, j'ai une map. Ah, attendez.
Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Sentait déjà plus. Oh putain, le zoom sur la map. Ouais, attention, le zoom sur la map, c'est chaud là. Ok, je suis là, ok. C'est pas mal, ouais, la map, faudrait pas me l'acheter à la gueule par contre. On va aller par là, à la petite tour. Atimepec Sud. Lorsqu'il est stressé, Carl vise moins juste et court moins longtemps. Ouais, ok, d'accord. On a Maya, évidemment. Soyez originaux, mais oui. Par contre, faut vraiment bien pointer le truc, ça c'est chiant. Petite ambiance un peu mystérieuse. Allume-feu, ah oui, vite. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route, pour de plus grandes aventures. Il manque du bois, il manque du bois. Le narrateur est un peu à côté de la... Merde, mais faut que j'aille dehors. Fuck you. Ah non, c'est les allumettes qui me manquaient. Merde, j'ai pas vu qu'est-ce qui me manquait. Non, il manque du bois, ouais. Putain, faut que je sorte. Fuck that shit. Ah, c'est cool. Ah ouais, ça va. Bûche. Tu sens que c'est un jeu canadien quand le premier objectif du jeu, c'est d'allumer un feu dans la neige. C'est un jeu d'enquête, voilà. Je suis un détective qui est engagé dans la région du Grand Nord. Voilà, ça me... Ah, je dois gérer la chaleur, la santé. Oh, ça, j'aime pas. Après, il y a la chaleur à gérer, ça me saoule. Bon, le petit gif de flamme, bon, bah... Développeur indé, putain, ouais, ça fait pas... Faut Johnny c'est vrai. Tu as bien ta place parmi nous, mon petit animal. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ramassé dans mon tas de merde là ? Équipement consommable. Ah, c'est vrai que c'était compliqué, il y avait. Boîte enfermée. Clé requise pour ouvrir ceci, d'accord. Ça paraît une bonne poutine. Là je suis dans la cabane, je me soigne, ok. Mais je vais repartir quoi? Pas en voiture, je vais pas repartir à pied quoi. Putain, c'est très joli, hein. c'est bien fait. Il y a amené la famille. J'ai magasin général, bah ouais, mais je vais pas repartir à pied, il y a la tempête. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Enfin, il y a un raccourci sur PC, mais j'ai pas envie de jouer à la mallette non plus. Je sais pas. On va voir s'il y a un changement dynamique. Ouais, c'est dynamique, ok, comme ça. Vous voyez, c'est plus pratique là quand même. On va jouer la manette. 360p. Je regarde comment on court. Et ça c'est le zoom. Comment est-ce qu'on court? Je cherche comment on court lui. Et ça c'est SBC. Agrandir carte. Ok, retour c'est B. Ok, B c'est la carte de base. Ah, c'est que je suis devant. Oh putain, ok. Ah, l'effet de la neige, et puis on court avec A, c'est ça? Ok, bon bah c'est... Ouais, c'est chiant la course avec A parce que... Allumer le feu. Alors je peux allumer là, ok. Je sais pas si c'est utile, mais on va le faire. 4K. Hop, 4K. Ouais, c'est pas le bon choix de touche, mais on peut remapper après, mais... Ça sert à quoi? Juste pour que je me réchauffe dehors. Jouer, ouais. J'ai pas trouvé ma bonne jouabilité que j'aime bien. Je suis pas de ta falaise. 4K. Ah, t'as pas la 4K, son je ne diffuse pas en 4K. Je n'ai pas encore le Zebi. Oh mon dieu! Le drapeau de Québec. Du Canada, Canadien, Québécois. Néga, attention. Tu parles mieux que ça. Politiquement correct ici. Attention. Mais du coup je suis en stress maintenant, je vais vouloir tout le temps gérer le show. Ça c'est quoi ça? Mais ça c'est la santé, ah oui, non, santé mentale, ok. Ouais non. Alors qu'est-ce qu'il me dit dans le journal? C'est un truc à faire. Le mystérieux froid, la météo c'est n'importe quoi, 30 degrés de marge d'erreur. Ah oui mais c'est du Fahrenheit. Quel accident avec collision, je t'ai pas sûr. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un indice sur les objectifs s'il vous plaît? Un petit peu d'un imprévisible, c'est pas là, quelque part. Bordel, la santé mentale. Les roues de tous sont gelées. Les roues de ah bon, demain matin. Bon, bah écoutez, à part y aller à pied, on va ressortir la carte, mais. Ezio, il est là. Ezio, il s'appelle Ezio.
Ah non, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Ah, c'est étape. Okay. Je ne sais même plus trop par où je suis arrivé. Ok, par là. Le chemin est bloqué là. Mais là, c'est tendu. Je vais pas faire tout le chemin à pied quand même. J'ai crevé de froid. Je me suis un peu soigné. Les bruitages ne sont pas faits à la bouche, pourquoi? En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Ok, donc il m'autorise pas à aller plus loin. Non, il m'autorise pas à aller plus loin, donc je dois trouver une fermette. Mais j'ai trouvé la cave. Oh putain, oui, il y a les petites nervures là qui apparaissent sur des coins de l'écran. Eh, mais j'y suis allé, mais... Bon, je vais retourner me réchauffer un peu, mais... Ou alors... Je comprends pas. Ouais, d'accord. Je comprends pas. Là, il y a un chemin. Non, non, ça tourne en rond. Bah oui, c'est là où les gens se font demi-tour. Ok, c'est complètement. C'est con, hein. Vous voyez les traces de voiture. Hop, c'est pour ceux qui font demi-tour qui repartent. C'est logique, c'est génial. Alors quoi, il y a un autre chemin. Et l'ordre glacé. Bah oui, mais là, ouais, non, j'avoue que. Bah ouais. Bon, ça baisse pas si vite que ça la chaleur quand même. Même si, ouais. Enfin. Bah, j'en sais rien, non. Survivre au Canada, exactement. Survivre aux températures. Mais regardez, c'est joli, la neige sur les petites herbes et tout. C'est vrai que tu sens que c'est les mecs du Portland, quoi. Parce que regarder le feu, ça me réchauffe. Prends le bateau. Marche dessus. Comme dirait Jean Noël. Et oui, Jean Noël. Ah, il y a la mairie. À la mairie Christmas. Et oui. Mais attendez, je peux conduire. Il doit soigner ses blessures. Bah, je suis soigné là. Non, faut que je me soigne d'abord. Je comprends rien. Mais je suis réchauffé. Et ça y est, c'est bon. Attention, les objectifs chiants dès le début là, on comprend pas. On sait pas bien expliquer. C'est chiant là déjà. C'est vrai qu'une bonne femme. Bah, bravo. Je comprends pas. Je suis réchauffé là, mais je suis pas soigné. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pour me soigner? Consommable. Cigarette. Carl, comme plusieurs de ses contemporains, avait l'impression de moins respirer lorsqu'il fumait pas. La cigarette, ouais. C'était pour lui comme de l'air. En mieux. Et en mieux. Sympa. Mais sympa, mais ça va pas vraiment soigner, je pense. Non, ça m'a même fait perdre des soins. Bah oui, mais je sais pas, moi, y a rien à consommer, là. J'ai pas de soins. J'ai pas trouvé de soins. Ah si, y a ça, attends, là, y a plus, là. Ration de survie. Bah oui, mais il veut pas les prendre, Carl. Eh ben... Carl n'était pas du genre à se plaindre. Oui. Ce sont pas des petites blessures qui arrêteraient son enquête. Oui. Ben, je sais bien, mais... Et apparemment si, parce que... quand j'essaye de continuer... Tenaille, allume-feu, chaîne... Ah, faut que j'installe les chaînes, peut-être. Allumette, ok, je sais pas, on va essayer d'installer les... Ouais, oui, mais comment je me soigne? Non. Ça va le colat québécois, c'est beaucoup mieux que colat, hein. Y a aucun comparaison possible. Non, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des trucs marqués ration, mais il veut pas les prendre. Si c'est vraiment ça, c'est idiot. Je peux pas sauter non plus. Je comprends pas. C'est sponsorisé par Malboro, merde. Mais... La quick save toutes les 5 secondes, par contre, c'est. J'aime bien que je suis bête, mais enfin quand même. Car pas mal du tout. Non, mais là, j'ai mes poumons. Car les. Carl était en pleine forme. Je décède, monsieur. Ah voilà, on va mettre les... Voilà, poser chaîne. C'est peut-être ça aussi. Faut que je fasse... C'est réalistique. Non, c'est pas réalistique. Est-ce que j'ai un truc dans ma bagnole qui peut m'aider? Je regarde s'il faut pas poser. Je comprends pas, je peux pas me soigner, j'y arrive pas. Hey, Zervrit. Ah putain, ouais. Ça, c'est chiant. Ok, d'accord. Le soir remonte la jauge de vie. Sauf que comment je pensais. Allez, on est prêt. On repart. Allez, go. Ok, c'est pas le narrateur, c'est Carl qui parle. Et oui. Il se parle à lui-même. Il parle de lui à trois. Attendez. Stop, stop. Ah, c'est cinématique, pardon. Je me faisais chier à me remettre sur le chemin. Non, c'était plus ou moins cinématique. J'ai pas compris. Il y avait des bandes noires. On y va. On est au chaud.
Bon, doucement, on a mis les chaînes, tout va bien. Ça va vite, ça va vite. Si, si, non, je conduis, tout va bien. Et je peux pas trop ralentir, quoi. Ah si, ça met un petit peu de temps. Trop radin pour fumer, t'as bien raison. La culture, non, il faut pas fumer. Fumer, c'est mal, vous voyez. Je roule doucement, ça, on voit que dalle. C'est très irritant. Le jeu a l'air excellent, même. J'exagère peut-être un peu. Mais il est très soigné. Très soigné, et puis... travailler sur ce qu'il faut. Les animations fonctionnent, sont jolies, un peu plus jolies, enfin ça reste du jeu indé, mais est-ce que c'est si loin d'Outlast sur les animes des mains, par exemple, vous voyez? C'est un peu bizarre là comment il... Vous voyez quand il remet ses doigts? Bon, région de Manastal. Étendu sur quelques hectares de forêt vierge, de caribou bravés, caribou, de neige éternelle et de lacs inviolés. La région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Très soignée, voilà, bien clex, bien. Elle abritait depuis des millénaires. Ah, c'est géométrique, on va dire que c'est cinématique, quoi. Driven, c'est-à-dire que c'est en couloir, oui. Attendez, ouais, je me souviens de la petite ferme, là. Bonne soirée, Monsieur Prowers, à 15h56. Voilà. Mais non, mais je sais bien, mais nous, on n'est pas habitués. Mais c'est fait exprès, non, mais c'est bien rendu, on... Un peu conduit sous la neige, alors à ce point-là, pas au point de mettre des chaînes. La qu'un violet. Je fais même pas attention à ce vivois de... Par bonheur, le magasin n'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. Ouais, petit temps de chargement qui brise, immersion. Allez, il faudrait faire du streaming de trucs, là, parce que là, du coup, ça fait dingue. Ah, c'est moche, ouais. Bon, c'est peut-être que... Coucou, Nao, tu viens voir Kona. Kona Maya. Ça va, petite Nao? Alors, Kona, si tu veux pas te spoiler, attention, je te le conseille. Ce qui a l'air pas mal. En tout cas, la version définitive est bien fignolée. Je sais pas à quel prix il est, j'ai pas fait gaffe. Peut-être bien 14€ quand même. Jeu franco-canadien. Le magasin général. Tom, tom, tom. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Leur divin nectar. Il fallait les activer. Et plus qu'à Squeezie. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur. Ok. À l'intérieur. Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Fond de la boîte. Oh, fuck. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Ah merde, employeur. C'est les riches. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. C'est vrai. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. What? Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Ah ok, d'accord. Bon, ça c'est le narrateur qui fait l'enquête à ma place. C'est pas mal, c'est pas mal. Et 10-20 hectares, oui, c'est vrai que... Bah, Polaroid Express, quoi, ouais. Oui, bah, oui, si tu veux, on garde la photo. Carl sentit alors un frisson le traverser. Ah, ok, ce qui prend la couverture et la mer, ok. Incroyable l'envahir. C'est dommage, c'est pas animé, mais... Si Hamilton était mort, qui allait donc payer? Intéressant, c'est ça. En plus, il y a un bon humour, franchement. C'est plutôt pas mal, mais ça, je voudrais le prendre, voilà. Monsieur... Que devait contenir cette enveloppe? Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Alors c'est des privés de jokes sur le Canada, là, je piche pas tout, mais ok. Faut une config? Non, pas du tout, Théo. Il est peut-être un peu lourd, il fait 4Go seulement. Non, après tu peux baisser la qualité, je crois que c'est de l'Unreal, mais pas du dernier. C'est un jeu canadien, pas français, Fiasco. Fiasco, sans Fiasco, il s'appelle Fiasco. C'est une blague le truc du service secret canadien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il y avait un truc là. Ah, cet endroit est en bordel. Ah oui, on voyait ça, ce système aussi de pensée du mec. Ils essayent de te faire comprendre. Examiner, cet endroit est en bordel. Ils essayent de mettre plein de trucs, attention. Et pour ma promotion. Il est sous, personne ne verra. Non. Québécois, c'est pas pareil. Conserve d'origine inconnue, on mange d'étranges choses en or, en grain d'or. Le goût de l'enfance. Kona Cola, c'est très drôle, mais le goût de l'enfance, c'est un petit peu, avec une petite fille un peu maquillée, c'est un petit peu dérangeant. Canada, putain. Patriotisme et tout. Oui, non, mais il était déjà pas moche dans l'early access, mais allez. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Juste au moment où j'allais, ah là, il faut un code... Ah, est-ce que ce serait l'adresse qu'on a vue? Je pense pas dans les deux, je crois qu'il y a un petit peu. Comme le savait Carl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Gilles Lachance! Ça faisait de lui un employé de Hamilton. D'accord. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger.
C'est quoi, Mitton? J'ai un chat dans la gorge. Quand on a un chat dans la gorge, on risque pas de travailler un jour de plus. Ok, on pourrait donner le rhume aux clients. Pas vrai, je suis un homme sage, n'ayez pas peur. J'aurai un beau papier de médecin. Je m'en vais le chercher dès maintenant. Un papier de médecin. J'adore ce pays. Dommage, je vais devoir fermer. Ah, du médecin, alors. Un beau papier du médecin, ok. Fermer les gardes en attendant, à moins que vous veniez me remplacer. Je ne saurais pas vous donner des conseils après tout. Faire ça. Gilles, votre dévoué gérant. Je sens que Gilles nous cache quelque chose. Ah, ok, en plus, on peut le lire comme ça. C'est très bien. Il n'y a plus d'électricité. Je vais aller devoir la remettre. Si on verra. Wheels. C'est sympa, c'est super. D'accord. Monter, hop, je monte. Allez, je vais prendre ma lampe torche. Ah, je ne peux pas. Beaucoup de boîtes de nourriture. Et une petite bouteille de sherry. Dans la noirceur, il est conseillé d'utiliser une lampe de poche ou une lanterne. Oui, très bien. Bah, sauf que là, je peux pas, en fait. Dans la noirceur, quoi. Salut, Panonic, chemin. Passe un coup d'éclair. Maudit Panonic. T'es en Panonic? En panique? Ah, attendez, c'est lequel? C'est le 1. Non, c'est le 2. Ah ouais, d'accord, sauf que je veux juste la lampe, moi. Alors, hop, voilà, faut que je coupe la map. Attendez, je veux juste ma lampe. Alors, c'est le 4, je vais y arriver. Ouais, je vais pas te spoiler, je te conseille, ouais, je te conseille de le faire, un de ces jours. Après, c'est pas mal de l'enquête et tout, mais... Non, là, je brisais à quoi. Non, j'y vais, attends. Ah là, Fiasco, commence pas. Déjà, j'ai envie de te théo. Commence pas. Il y avait un truc, là, non? Ah non, on l'a pris. À mon rythme. C'est mon rythme. D'autant que Madame Sad m'a mis à Cryptos de Necrodanceur, alors voilà. Ça n'aura pas été un luxe. Secrétaire. Mode d'emploi de la caisse. Instruction pour ouvrir. Composer le prix. Deux chiffres minimum. Appuyez sur Save. Faites deux tours de manivelle. Donnez des coups si ça ne marche pas. D'accord. Deux chiffres. Le prix. Quel emplacement. Électricité désactivée. Ah oui, c'est que je vais pouvoir, je me souviens de ça, je vais pouvoir allumer qu'un seul truc à la fois. Je sais plus comment ça marche, faut que j'aille voir, attends. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. N'alimentez pas la le garage. La note livrait là un sage conseil. Avant d'opérer le lift, parlez à Gilles, je vais parler à le Gilles. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. Des loups. La note livrait là un sage conseil. Ça va faire que je remette de l'essence, me semble-t-il. Et là, il veut pas interagir avec ça. Carl n'était pas électricien. T'as fait du scotch et des pinces. Il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. C'est très le coup d'envoi panonique. Bonsoir, Natella. Carl était habitué aux choses étranges. Ouais. Mais une glace comme ça, un iceberg sorti du sol, on n'avait jamais vu avant. Maudite affaire. Des empreintes. Carl avançait de surprise en surprise. Était-ce un défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Ah, c'est mon appareil photo? Mais non, ça c'est les empreintes des loups, ça, non? Ça a rien de mystérieux, ça. Ouais, mais avant d'aller là, je vais plutôt chercher à remettre l'électricité pour me réchauffer, parce que je crois pas que... Vous êtes un brigand, un voleur, un maudit. Tout le monde dans le village ne se portait pas dans son cœur. Ça se portait pas, tu comprends? Il y a Life is Strange. Non, Fiasco, non. Non, c'est un peu plus... C'est un peu plus différent. Et je manque de rondins. Il y en a juste à côté, ce qui est logique, putain. Oui, ça me fait créer des petites zones pour me réchauffer. C'est pas bête. T'es parti, Marginal, bye bye. J'ai pas vu. Déverrouillé, je n'ai pas la clé. Il me semblait que... Ok, là je peux même pas essayer. Briser la serrure, ok. Pour quoi faire, je sais pas, mais tant que j'ai la pince, oui, on va s'en servir, évidemment. Ça doit avoir une utilité. Ok. D'Irester est mieux. Et maintenant, ça va être un Théo. Si tu parles de D'Irester. Alors il faut scotch et pince, on va essayer de trouver ça. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je peux fermer les portes pour pas crever de froid? Exactement. Alors, on va chercher les outils.
Les maudits outils du Québec. Ça, c'était quoi déjà? Secrétaire aussi, c'est le bordel. Ah, il y a des trucs là. Le Klondike québécois. D'accord. On lui a tous demandé à la petite lune. On est là, on fait les médecins, on fait les docteurs, on sait pas, on s'inquiète, on se demande. Animal Crossing, voilà. Sauf que tu penses à dire rester, donc je te bats. Qu'est-ce que c'est ça, du manger? Ah, c'est des allumes-feu, oui, ok, d'accord. Un truc pour pur jasmin. Petit chou! Pop, 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 c'est petit chou-chou. Et les couches, bien sûr. Alors, faudrait que je trouve les pinces. Il veut pas analyser ça. On est en bordel, qu'est-ce que c'est? Alors, je crois que voilà, je vais. Ah, mais non, tant que j'ai pas réparé le fil, ça peut pas marcher, le générateur est débranché. C'est 3x1, voilà, voilà, Clex 3D. Voilà, voilà, le blum qui sait faire les blagues. Je marche dessus à l'autre. J'ai ramassé de l'alcool, mais ça me sert pas à grand chose. Trousse de premier soin, ok. Faut que je mette un prix, je sais pas moi, le prix de quoi, j'en sais rien. Ah, faut que je trouve un prix, ah oui, faut que je trouve un prix d'un article. Y a-t-il le prix d'un article quelque part? Je sais pas moi. Faut que je trouve un endroit où il y a des prix. Je ne sais pas. Il y a des tiroirs là. Tout ça. Ah bah là il y a peut-être une pince là. Non, ça aurait été trop beau avec les outils qui est des appareils d'outils qu'il me faut. Je vois pas de tiroir. Ah ça, ouais non mais non, ça a pas l'air de... Ah si, ça s'ouvre, ok putain. Le petit point blanc est quand même un peu discret, j'avoue, je le zappe des fois. Le scotch, allumette. Ok, c'est quand même pas mal de l'exploration. Compte client. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Le mec faisait crédit à tout le monde. Carl vit là plusieurs bonnes... Ça c'est le nom des backers, hein, je pense. Parce que le jeu disait qu'il y avait des surprises pour les backers, qui a été restarté. De garage, ok d'accord. Merci, merci de me rappeler. Là, c'est juste que les points blancs sont un chouïa discret. Il aurait fallu qu'on les voie, voir que, ouais, c'est ça. Bon. Je pense que je mettrai un prix. Et c'est save. Ça, vous allez pouvoir fouiller. Clé de la poste. Ok, je peux pas prendre. Dollar canadien. Ok, on va ouvrir. Celui-là, je l'ai ouvert, ouais. On va ouvrir le garage. Le goods d'enfance. Bon bah on s'est trouvé un petit jeu, je pense qu'on va essayer de le faire en entier. Bruit d'explosion, bah c'est le générateur qui a pété, je pense tout simplement. Et il me manque encore les pinces. Hein. Ouais. Je pense dans le garage. Allez. On va se réchauffer un peu le arpions. Oh, c'est un peu ça quand même. Après, bon, quand t'es backer, normalement tu fais pas ça pour. Voilà. Ça pour aider. Pour motiver. Ça semble propre par ici. Pop, pop, pop. Matériel, je sais pas ce que c'est. Oh, me dites pas, il y a du crafting, j'aime pas le crafting. Ah, les fameuses pinces qui me manquent. On va pouvoir la réparer ça. Bon, c'est un petit système intéressant. Voilà. On met un peu de rail. C'est le moment pour Clex. C'est leur Patrick Sébastien à eux, c'est leur licence 4. C'est le style, c'est trop soirée, j'adore. T'imagines, elle fait un jeu français, Heavy Rain, t'allumes une radio et t'as à boire un petit coup à la maison. Ou la digue du curé. La digue du cul, toi. La digue du curé. Oh, précis, oui. Hop, je peux plus, je vais pas pouvoir jouer, je vais passer ma... tout le live à écouter cette maudite chanson. J'écoute l'apérobique des sub. Bah ouais, mais au Canada, ça existe pas. Ils peuvent pas, ils ont pas le talent. Que... Ça, c'est nous, c'est pour nous. La digue du curé chez les nudistes. Mais oui, je mélange tout. Bon, on va réparer le générateur. Est-ce que je peux déverrouiller ça? Non, ça sert à rien. Ça c'est chiant. C'est bien de faire des portes qui s'ouvrent que dans un seul sens, hein, logique. Mais par contre, ouais. Ah, si je peux couper par là, ok.
perso s'essouffle encore un peu trop vite, je trouve, malgré le froid. Voilà. Ah non, on va pouvoir éteindre, allumer le courant, mais pas partout à la fois. Hein. Sinon, les plombs vont sauter, je pense. Magasin State. Voilà. Principal. Garage. Je comprends pas, j'ai allumé le courant dans le garage ou pas? Pour la off, mains, générateur. Ah non, générateur, voilà. Voilà, on est sur le générateur, mais je peux pas allumer le magasin et le garage en même temps. Alors je vais le faire, je vais le faire. Le chargement. La 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 la, avec l'ex 3D, il fait voir sa tube. La 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 la. Ah, c'est encore la chanson, elle est là! Il a le 45 tours. J'essaye de voir le titre de la chanson. La tempête frappait tout sans distinction. Ok. Carl constata sans surprise la ligne hors service. Voilà, je peux aller faire le plein. Ah non. Attends. Ah, c'est bon, salut. Je vais essayer d'aller faire le plein, voir ce que ça donne. C'est malaisant cette musique. Mais ça s'éteint. Non, c'est moi qui entends un drôle de bruit. Alors, attends. Numéro 2. Si vous craignez la panne d'essence, on va dire qu'il faut que je fasse le plein, quoi. J'ai d'horreur. Et je juste comme ça. Et voilà. C'est stylé, les petites animes sont cool, hein. Remplir un bidon d'essence. Ah, si j'avais un bidon, Carl je sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Alors, je vais relire mon journal parce que moi je sais pas où c'est. L'arme du crime. Hein? Ah oui, il avait caché l'arme ici. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Carl. Clé minuscule. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Oh oui, bien ça joué. Ça lui a pas porté chance. La fameuse boîte. Il y a une tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant. D'accord. Et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. C'est dur de garder son sérieux avec un narrateur aussi tabernacle. Attends, je vais juste m'en remettre un peu à l'abri pour consulter un petit peu mon journal. Alors. Par contre, il y a trop de lumière. Ça, c'est chiant. Là c'est relou parce que alors, c'est réaliste et tout, mais alors si je me mets. Ouais, c'est un peu. Mon client est mort, rien ne va plus, ça c'est bien machin, c'est une information. Ah oui, l'adresse que j'ai vue, bah oui, des services secrets. Ça va, mais c'est pas comme ça avec les toits. Alors, Hamilton veut poster une lettre de dénonciation de sa confidentialité au service secret à Ottawa. Elle prête de poster la boîte verrouillée. D'accord, et d'envoyer séparément la clé au même service secret. C'est pour ça que la clé était dans la poste et que la boîte était dans sa voiture. Mais il fait ce qu'il peut, c'est d'avoir. Sauf qu'Hamilton a été dérangé dans la presse. Il a tout verrouillé, a posté la clé. Elle est tombée entre les mains de son assassin. Ok. Ce qu'on trouve des menaces, c'est que. La menacée est devenue cadavre. On sait que l'enquête se fait d'elle-même. Dommage que la note ne soit pas signée. Des fois que le tueur soit très con. Gilles Lachance est allé chez le docteur. Il me reste. Ah oui, c'est le mec qui faisait son arrêt de travail. Ok. Moi je patrouille. Tabarnak, je te patrouille. Je te fais des patrouilles. Je te fais des vadrouilles. Tabarnak, mode saucisse. On va. Voilà, on va aller voir si ça sert à quelque chose d'allumer l'électricité dans le garage quand même. Vu qu'on peut le faire, on va aller voir. Les indices, c'est des bandits. Ok, il y a bien l'électricité. Donc on va fouiller un petit peu ça. Parce que c'est. Il faut gérer la chaleur. C'est pas trop chiant pour l'instant la chaleur. Ok, donc ça fait juste de la lumière. Moi je pense que ouais, on va pouvoir soulever la voiture. Attendez.
On se la remet ? C'est parti. Ah voilà. Ok. Carl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous. Pourquoi enfin ? Ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Putain, Lex, t'es insupportable ce soir. Par contre, ce qui est chiant, c'est que pour les armes, faut que j'aille dans le menu, quoi. Inventaire. Je peux pas. Okay. Je peux pas faire autant de feu que je veux, autant de photos que je veux. Ok, équipement. Y a pas moyen de le mettre dans le. Ah voilà, je peux le mettre dans le menu, d'accord, dans le raccourci. Bon, la map, on va pas forcément le mettre dans le raccourci, là j'ai quoi. Bon, ça, ça. Ok, non, non, si, si, c'est bien fait, c'est. Sac à l'entrée du garage que tu peux ouvrir. Y'a un sac. Je peux mettre le sac, là. À l'entrée du garage. À dehors, tu veux dire. Attends, je vais refouiller un peu là. J'ai pas fait attention. Je regarde ça, SZO, je regarde. L'entrée du garage, c'est ça, hein. Ah, mais j'ai pas suivi les traces de pattes de chien aussi. La glace, ce n'est pas un jeu d'horreur, non, c'est d'horreur. Non, non, j'ai déjà fait. Refais pas. Bazardé, oui, on a bien compris ce maudit animal. La petite cabane à caca, très important ça, Klaxi. Voilà, petit commentaire, monsieur la voix off. Non, non, mais c'est bien. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Bon, je vais pas faire le fouilleur avait fouillé, ouais. Fouilleur, arrête de fouiller. J'ai pas grand souffle. Je suis en train de perdre des traces de papa, là, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un acar. Mon dieu ! Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Je suis en train de me... Waouh, j'ai des pouvoirs magiques. Ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide, où tout échappait à son contrôle. Mon dieu, vite le feu ! Ok. Waouh, c'est le truc de... Oh, la main reste... On aurait dit un journal de chasse. De véritables notes de guerre. Ils nous sont excités. Ok, il y a une tentative de faire du mystique, mais c'est compliqué là quand même. Ok, il y a un truc avec les loups. Fuck. À quoi rimait donc ces chiffres 3-9 de métal ? What ? Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Carl. Ok, mais je trouve des vrais trucs dans mon inventaire et tout. Bon, je remonte la piste. C'est sympa, c'est très réussi en tout cas. C'est 100 temps de chargement. Ils sont bien masqués. Il y a un mec qui chasse un loup. Mais la voix du narrateur, que ce soit français, anglais ou gagnant, je trouve que ça... Ah, ça me plaît pas. De Gilles la chance. J'ai eu cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. What? Que s'était-il passé? Quand les mains on les plonge, c'est ça que fait demeurait. Il savait permis de conduire automobile. Tétanisé dans la glace, était le tenancier du magasin. C'était Gilles. Ah oui, il était Gilles la chance. Transformé en. Né en 44, on est en 70, il y a une trentaine d'années. Séparation d'état de quartier, exactement. D'accord, mais je suis où en vrai là? Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Magasin général, ok, je suis pas très loin en fait. Mais j'y étais déjà au magasin général, non? C'est de la nojure, bah oui. Je vais juste me remettre au chaud. Je vais regarder sur le replay. Ah. Tiens, j'ai... Chaque semaine, le laitier devait passer remplir les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. Il était bien, il était bien. Chaque semaine, le laitier oui, devait passer pas, okay, remplir d'accord. Les bouteilles. À sentir le lait frais, il était bel et bien passé cette semaine. JPP de la voix off, mais non, tu l'aimes.
Ce que tu aimes bien, c'est la petite chanson. C'est un peu trop chargé. Consommable, équipement, inventaire. Ah. J'ai vu il y a pas longtemps, il m'avait tellement manqué. De quoi, Lucas, celui-là? Ou autre chose? Ah, la disparition d'Ethan Carter, je ne sais pas. Alors, inventaire, document, option, pipapou, pipapou, pipapou. Écrit en double. Pourquoi il faut que je le dise deux fois? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai ramassé comme objet là? Non, j'ai rien ramassé spécial, matériel. Pince. Bah là, j'ai tout fait de toute façon. Ouais, non, mais de toute façon, Arkham, si tu veux. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Une chaufferette. Nous, on en est encore à pain chocolat, chocolatine. Et voilà. Bon, Fiasco, je crois que tu as. Ça va partir sur le petit Théo qui va bien. C'est du blague. Du blague dans Insaisissable. Je ne connais pas ce film, je ne connais pas la blague d'Insaisissable. Le blague, ça, je connais. Me réchauffer, ça va faire monter le niveau de sanité. Bon, la chaufferette s'est allumée. Est-ce que je dois réellement aller? Ouais, bah, j'ai rien appris de plus en vrai. Ah, mais je l'ai la clé. Dans la boîte, rien de moins que 9. Ah, oui, non, d'accord. Dans la boîte, il y avait la lettre du mec. Ok. Mystérieux froid. Bon, je vais repartir en voiture et puis. J'ai une troisième. Tiens, exactement. En plus, c'est le gérant du magasin, ça, c'est complètement legit. Je vais juste remarquer. Attendez, c'était. Là, je suis au magasin général et la chance. Ah, la chance, c'est lui qui a la petite maison. Il y a le docteur. Bon, la motte, blé. Hamilton, là-bas. Hamilton, c'est la maison du client. Ok. Bon, on va revenir en arrière, direction maison de la chance. Guy la chance. Non, comment il s'appelle? Je sais plus. Quelque chose de la chance. Je pense que là, on en est là. On y va. Je reviens en arrière, moi j'ai compris. Sauf que, est-ce que je peux regarder? Ouais. Fuck. Attends, est-ce que je peux regarder la map en fait? Ah ouais, ça c'est cool, putain. Genius. Non, si je suis dans le bon sens, mais... Putain, ça c'est bien fait, sans déconner. C'est le GG. Le truc qui se réaffiche à chaque fois, le magasin général. Ok, c'est qu'il y avait un arbre en plein milieu, donc si je voulais traverser, c'est pour m'obliger à passer par le magasin. Voilà. Ça, on essaie de pas rater. Ok, ok, attention, attention, ne faisons pas d'accident de plus. C'est cool parce que j'y arrive presque, un petit hop hop, un petit coup d'œil à la carte. C'est comme en vrai, c'est bien fichu. C'est cette maison là. Là, je vais y arriver normalement, mais. C'est parti, il n'y a pas une petite entrée sur la gauche. Non, sortir ne sort pas en plein blizzard. Ah, ça doit être là. Je pense que c'est là. Est-ce qu'y a-t-il le nom sur la boîte aux lettres? Qu'est-ce qu'il a dit, Lucas? Je te signale. Se vendait des biens, j'ai pas compris. J'ai essayé de voir le nom de la personne, mais on peut pas rentrer. Là, on peut aller dans le jardin. Ah putain, les temps de chargement, c'est relou.
peut niquer sa charrette, mais... C'est pas bien grave. Maison de la chance. Oh, c'est quoi ça? Carl ne put s'empêcher, en apercevant le carreau d'arbalète planté dans les marches de bois, de songer aux traits légendaires qui devaient frapper le talon d'Achille. Mais qui était l'Achille visé cette fois-ci? Achille, c'est avec une flèche qu'il a été... Peut-être. Je buff. Bah, ce qui est chiant, c'est qu'ils prévoient même pas une espèce de petite transition cinématique, ou c'est bizarre, mais ils ont pas dû trouver de solution, je pense. Ah, si je peux sautiller. Je peux faire du ding-dong. C'est le bruit du sautier. Qu'est-ce ouvert? On gelait. Oh fuck! Le froid prenait directement dans la moelle. Dans la moelle. Okay. La glace une nouvelle ça fois. Oh joli le rideau. Le rideau congelé, c'est stylé. Là pour l'éternité. Qu'elle aille du froid. Là. C'est stylé. Plus on va au nord, plus l'heure devient futile sans parler de ça. Car talent de supermentir. Froid dans son dos. Une autre vision l'envahissait. Mon Dieu. C'est pas. Ok, faut que j'aille par là. Je pense que je crains rien. Là. Ah mais je me souviens de ça dans la... Quelque chose se cachait sur l'Early Access. Oui. Je me souviens pas qu'il y avait une un narrateur aussi envahissant. Ah, il y a une petite radio, on va la mettre. Rien, ça a pas marché, ça l'a éteint je crois. Donc il a caché un truc. L'homme attrapait sa carabine. Carl ressentait sa peur. Fuck, il y a une Anna, non? Ok, on va peut-être avoir un nouveau gun du coup. Très joli, j'aime beaucoup ce jeu. Pas parce qu'il y a accent canadien. Peut-être que le couple était en froid. Ah ah, était en froid, t'as compris? Mais pas la dimension d'art, t'entends? Tit 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 ma blonde tit 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 tit. Il y avait beaucoup de cachotterie dans cette maison. Le mec a une vision démoniaque, mais oh là là, c'était des petits coquins quand même. C'était un petit peu des petits filous. Okay, ça, c'est ce qu'on cherche. Journal de Gisèle. Carl sentit le froid reculer et revint à la réalité. Où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure, mais plutôt, comme son mari Gilles, un gros bloc de glace. Gisèle et Gilles, quoi. Ça fait tellement pas stylé. Ma mère m'avait déjà dit que quand j'ai rencontré Gilles, que je n'avais pas choisi l'ampoule la plus éclairante de la boîte. Avec des années, on dirait que ça se confirme. Il faut toujours se fier à sa mère. Histoire de chantage, Gilles, c'est comme un petit chien. Il pense qu'il est plus gros qu'il ne l'aurait été. Il grogne pour faire peur, mais tout le monde sait bien qu'on peut le tancer d'un petit coup de pied. On peut le tancer. Changer à mi-tonne, faire chanter le grand patron. Il faudrait qu'il se lève tôt, mon Gino, pour faire chanter une grosse poche de Montréal qui a de l'instruction et de l'influence. GG, Gilles et Gisèle. C'est pro super simple. Le pire dans cette histoire de chantage dans laquelle il s'est plongé comme un cheval à cour dans son écurie en feu. Ils essayent de faire de la poésie, mais c'est magique, quoi. C'est que mon Gilles ne sait pas trop en quoi il fera chanter William Hamilton. Et en plus, il n'oserait pas une menace comme ça dans la cuisine. Il me dit qu'il le fera, mais moi, je sais une chose. Celui qui fera chanter quelqu'un se nomme maître chanteur et Gilles n'est pas un maître du tout. Putain, comme le casse, quoi. Il sera toute sa vie un esclave. Je regarde parfois son coffre dans l'entremure. Où il cache ses documents compromettants. Je me dis que c'est une farce. Ok. D'accord, c'est le journal de mademoiselle. Attends, je cherche ma lampe torche. Hop. Un peu fouillé parce que je vais avoir besoin de petits trucs à crafter. Ça s'appelle des mini trucs à crafter, mais en fait, c'est pas vraiment. Avec tous ces pinceaux, il peut peindre la maison en entier, d'accord. C'est pas folichon. Quel muf. C'est juste un bloc de glace enveloppé, exactement. Ossature lourde. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce que c'est ça? Personne ne viendrait plus remplir les trous de ce casse-tête. C'est un puzzle, putain, québécois. C'est pas un casse-tête, c'est un puzzle. Ouh, c'est maudit. Rien n'était cuit. Le pot était froid. Le pot. On aurait dit que la pauvre Gisèle m'y tenait un repas avant de geler. Personne pour manger serait bien. C'est stylé parce que un steak, un petit concombre. Oh, Gisèle n'était point trop, hein. Elle est pas frileuse de ce côté-là, Gisèle. C'est pas un bloc de glace de partout. C'est toi ce que je vais te dire. Sacré Gisèle, tiens. Bon, faudrait peut-être que j'allume un feu, je pense. Et où le poêle là?
Ah, encore du bois, il manque toujours du bois. On va aller chercher le bois dehors. Au moins, c'est jamais trop chiant à trouver, ce qui est logique. Hein. Je l'ai avant de finir à manger ça. Mon scorstein. En plus, il y avait juste là, putain, j'étais dehors pour rien. Ah, thank you. Du coup, ça va pas la dégeler, ce serait trop facile. Sous place, c'était encore ouvert. Tout le monde est frisé, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Nad? J'étais bête. Ouais, attention, doucement, au prix de ce vol, le vendeur, on a compris, voilà, c'est bon. Tout va bien. On va insister. J'ai vu. Alors, on va aller voir son entremur. Attention. Ah, les aléas du déménagement. C'est-à-dire? Vous trouvez le tourne-disque. Mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Mais le mec, c'est génial. Article sur le magasin. Foncez par Bertrand Lachance. Le magasin général, ainsi que plusieurs autres infrastructures de la région, ont été acquis par le riche industriel William J. Hamilton. Et il voulait le faire. Le village devra-t-il être rebaptisé bye bye, Luna. Hamilton. Petite cachette, mais j'ai pas le coffre. Ce modèle-là de coffre-fort, Carl le connaissait. Avec son double système de lettres et de chiffres, il fallait être un redoutable cambrioleur pour en casser le code. Ou alors, Bertrand Lachance, 1948. D'accord, je sais pas. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Isuna, repose-toi bien. Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Je te nous quitte sur de la belle musique. Ah, c'est notre chanson, je crois. J'attends les paroles. Moi. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond désordre. En transition. Inhabitable. Un vrai chantier. Bon, bah, presque inhabitable, ça va. Ah, il y a eu le temps de ranger ses. Ah, c'est que c'est. 10 pellicules, ok. Je sais pas si prendre les photos, ça a une vraie incidence à part remplir ton petit livre. Les poupous de sachet, hein. Beau portrait de Gilles et Gisèle, retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Oh, le poète. Poète du fleuve Saint-Laurent, on l'appelle. Eh oui, je connais des choses du Québec, oui. 5 cigarettes, ok. Il n'y a pas le fusil. Le fusil n'est plus là. Ce qui est logique. Une boîte de romans Harlequin, d'accord. Why not? Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Oh, c'est beau. Première neige, du coup. C'est Carl n'avait pas besoin d'en appeler oui, c'est à bon, ses c'est bon. De détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Ah, c'est une couleur, les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Boîte de la poutine. Exactement. Je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe aux photos là, attendez. Non, y'a pas. Alors, une lettre et un chiffre. Ah, si, c'est là. Bertrand de la chance, 1948, je sais pas. Ah, mais c'est. Ah. Je sais pas, non. Attends, je peux rentrer. Attends, je vais. Faut que je fasse une lettre et deux chiffres. Alors. Ok. Alors, c'est quoi Bertrand B48 pour Bertrand B48. Je vais voir si je trouve d'autres indices. Faut que je trouve des indices. J'avais pas percuté. Je l'avais pas encore dit indice ici. Je me rends même plus compte. Allez, j'ai pas fouillé cette pièce. Si, ah, si, d'accord. Ok. J'ai d'accord. Je fouille un peu. Aspirim, c'est de l'aspirim. J'ai bien vu, c'est pas un M. À chaque objet son anecdote. Mais oui, mais c'est pour faire plus deep, tu comprends? Ça donne un peu de contexte. Je pense que l'indice c'est dans la maison. Hein. Je pense que je peux le trouver. On m'a dit qu'il y avait rien. On va essayer B48, mais je suis pas convaincu. T'as la pauvre Gisèle. Ouais, là, ça, non, ça me donne pas vraiment d'indice. Spirim, c'est poétique. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'en manquer. Il y a un truc avec les. Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Non. Il n'y a pas un indice avec les. Non, je pense pas, avec le dé et les dominos. Bon, Bertrand 1948. On va essayer B48.
ça. Qu'est-ce qu'il y a dit, Flex? Spirim. Ah, c'est juste ça. Ah, attends, ce que. Non. Des fois, dans le noir, il y a des indices, mais là, non. Je suis tout oui. Celle qui les garde. Signe un mot de cachoterie. C'est génial. J'ai pas trouvé le code. Ça me fait chier parce que je l'avais. Délicieuse confiture aux fruits. Ah oui, non, c'est genre des cartons. Putain, il aimait ça, la confiture. Cet homme musculeux me vend bien sa confiture. J'ai bien envie un de m'enduire. Il en redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective. Bonhomme en 3D pour les photos, c'est un peu moche. À peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Il y a vraiment rien là-dedans, il n'y a pas d'indice. Ah, du coup, je suis un peu. Peut-être que, quoi, que je relise les notes, qu'est-ce que j'ai comme document? Là, je suis silure. Portefeuille, est-ce qu'il y a un truc sur son portefeuille? Il y a une lettre là, C44, sa date de naissance. Tout simplement, ça se pourrait. Catégorie C comme son permis, je trouve ça bizarre. Ça, c'est genre le. Je pense pas, hein, mais hein, on peut toujours essayer. C'est marketing, j'avoue. C'est pas ça non plus. Ah, attendez, il y a ça. Ah bah oui, c'est vrai. Il y avait une lettre là-dessus, quoi. Non, 739. Non. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je pense pas que Gilles ait mis quelque chose dans sa lettre, ça me dit rien. Je pense qu'il faut revenir à chaque fois de document, machin. C'est. Ouais, il faudrait un. Journal de JZ. Bon, je pense pas que. Je me sens pas que dans son journal elle disait quoi que ce soit de. Non, putain, range-le pas! C'est 112. Mais non, mais je peux pas mettre qu'il me faut. C'est le truc du bout de métal. Non. C'est R que je veux faire. Son entremur, oui, bah elle me dit où c'est caché, mais. Ah, je peux changer de page! Ah, il y a plusieurs pages, putain! Elle te découvre le code du coffre-fort, dans lequel tout est entassé. Le problème, c'est que j'ai dû mettre un temps. Alors, François, il s'est fait un truc, la première lettre du prénom de son père, et puis c'est suivi de trois petits chiffres. Trois chiffres, hein! D'accord, ok, il faut le prénom de son père. Le prénom de son père, c'est quoi? Bah, c'est, on l'a vu, c'est Bertrand. Donc, c'est B, et le petit truc, j'ai pas vu. Il y avait une deuxième page, OMG, c'est B combien? B739. D'accord, parce qu'il y a trois chiffres en fait, c'est moi qui validais une fois de trop en fait. B739. Ah oui, d'accord, je revalidais. Voilà. Et alors, Fiasco, tu vas me parler autrement, mais tout de suite, d'accord. Et puis tu me spoil pas non plus. Parce que ça, tu vois, j'avais trouvé avant, au final. Laisse-moi jouer au Fiasco, c'est important. Mais un mutant est une crapule comme Séraphin Poudrier. Séraphin Poudrier, mon dieu. Il fait chanter tout le monde dans le village en commençant par même ce document. On contient toutes les preuves des pots de vin versés par Hamilton. Ah merde. Ok, donc Hamilton, c'est un petit peu un enfoiré quand même, hein. Je sais pas qui est Séraphin Poudrier, mais voilà. Hamilton est une crapule, c'est un assassin. Ouais, marqué changer de page, en même temps, il n'y a pas d'autre page, donc ça veut pas dire grand chose. Et donc ça me sert à quoi d'avoir ça? En vrai, ça sert à quoi? Ah ouais, alors il faut que. Ah non, du coup, bah, ici la map, je l'ai gardée en plus. Je cherche la map. Voilà. Donc, du coup, je suis chez la chance. Qu'est-ce que je peux? Je sais pas moi. En fait, j'ai pas trouvé grand chose, hein. Là,
Je vais pas aller chez Hamilton, mais... Ça va un froid. Ça va redescendre. Bah je sais pas. Et du coup, attends, qu'est-ce qu'il me dit mon pote? Mon pote à la compote. Alors. Ça c'est fait, ok. Ouais, d'accord, mais ça me dit pas ce qu'il faut faire. Alors, faire chanter Hamilton. Chanteur assassin, plus probable, Gisèle aurait-elle convaincu son mari de connaître pas tous cette femme. Docile moitié. Ok, d'accord, mais ça me dit pas trop ce que je dois faire après. Alors, c'est... T'es au chalet, tout à fait. Calmez-vous, ouais. Place 3D, il est modorateur. Il est modo, et c'est un adorateur. Il est modorateur. Du coup, je fais quoi, alors? Je sais pas où aller, là, en fait. Là, je crois avoir tout fait. Bon, je vais essayer d'aller chez mon client, ou... Ouais. Putain, saucisson. Le mec, il marche pas, saucisson. Allez, dans la voiture! Tous un carré. Re, ça y est, j'ai du son. Alors, félicitations à Petite San, voilà déjà. Je te dis ça. Alors, oh, rock'n'roll, faut qu'on regarde la route en conduisant. Voilà, attention, attention. Alors, ce que je vais faire. Ah, putain, ça charge. Stop, putain, je suis très très content. Attention! On enlève la map. Tu passes toujours le même morceau, ouais. C'est ça, Clax. Avoue que c'est un jeu d'aventure qui a une gueule assez particulière quant à ça comme bande-son. Ah, il y a le truc du docteur, attendez. Ah, c'est là, attendez. J'y suis ou pas, là? Ah ouais, je suis sur la route que je voulais. Je sais pas ce qu'il dit. Fiasco est fatigué, tout ça. Attention, 10 miles per hour. Encore, la chanson, la chanson. Oh, oh, c'est dangereux. Temps de chargement, ouais, c'est que ça charge la maison. Non, ça passe. Putain, les freins, c'est pas terrible. Attends, deux secondes. Regarde donc ta map. Ok, donc à gauche, c'est le docteur qui est là. On va aller voir le docteur. Ok, c'est juste là. Putain, il y a un temps de chargement encore. Ah, c'est chiant. Ça casse vachement le truc, quand même. J'adore ce truc. Ça fait trop chier. J'éteins pour pas bousiller ma batterie. Enfin, je laisse le moteur tourner à chaque fois, mais bon, c'est vrai qu'avec le froid, on sait pas quand ça va redémarrer. Pas mis les pneus neige, mais si, j'ai mis les chaînes. Docteur Beaupré, je crois que j'y vais un peu tôt là. Ah, d'accord, je sais pas si mon. Pas trop ce que je viens faire chez le docteur. Ok, le classique. P de la clinique, ok. Ça y était aussi dans l'early access. Ah, là, l'allume-feu, ok. Il devrait exister une loi pour interdire au docteur d'être malade. Je prends... Si jamais il meurt, je prendrai sa place, excellent. Notre coupe de cheveux. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture. Narrateur est ben un fan. Isabelle Beaupré. Isabelle Beaupré. Ah, fuck! C'est celle qu'on a vue en photo. Ah oui. D'accord, elle est décédée donc, c'était un peu embêtant. Allez, un petit coup. Allez, Clex.
C'est vrai que c'est con, mais ça détruit toute l'ambiance. Mais en même temps, ça met... Pour les éborgnés, autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Cette petite vanne. Attaché corde. Il faut un aimant, je sais pas pourquoi, mais ok. Au moins, c'est un truc que le jeu nous aura appris, c'est cette chanson-là. Remplir bouteille, ok, il faut plein de trucs. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire tout ça. Ah bah ouais, bah je suis obligé de stack. Carl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur. Ça va, c'est un médecin, quoi. Mon pire cauchemar, ok, donc je suis gros, pardon. La quarantaine, hein, bientôt. Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Carl songea à un accident dans la forêt. Une main de bûcheron taillée à l'acier. Ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Une chasse à l'orignal. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Dans quel autre jeu... Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. Dans quel autre jeu vous avez ça? Ah mon dieu, ça, une chasse à... T'imagines les experts qu'il y a... Les experts Montréal. Les experts Saint-Laurent. Mon dieu, Horatio. Horace. Une chasse à l'Oregon qui tourne mal. Je vous aime, putain de ouf. Le bon docteur avec sa belle épouse. Ah, c'était la femme. Bah oui, Beaupré, oui. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Mais on l'a trouvé dans la voiture. Carl reconnaissait cette femme. Eh oui. Ce regard mélancolique. La voiture. La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village. C'était le docteur Beaupré. C'était le docteur Beaupré. Qui avait dans son... sur son siège avant la fameuse boîte, non? Jamais bien pu entendre son nom. Les hommes l'appelaient Laure. Elle était blessée à la gorge, beaucoup de sang. La balle avait fait mal. D'ailleurs, je crois même que le cervelet était atteint, aucun espoir. Les hommes l'ont trouvé comme ça. Il dit, j'en doute, mais dans les petits villages, il vaut mieux parfois fermer les yeux. On insiste pour que je ne mêle pas d'acheminer les certificats de décès. Ok, d'accord. Donc, en gros, les chasseurs lui ont amené une nana morte, quoi, en gros. Grippe espagnole, 1919. 1925, c'est notre chasse. On explique que le père Roser soit encore en vie. Ok, donc là, le mec, est... ok, c'est le prêtre en gros, et il a eu plein de toutes ses blessures retraitées. Ok, d'accord. Il n'avait pas assez d'élan. Hein. Ça vient, Simon. Une vidéo porno, exactement. Le symptôme s'explique par la même cause. Elle est enceinte, elle refuse. Elle dit, je parie que l'enfant n'est pas de son mari. Ce sera pas la même carte. Alors enfin, c'est fini sur les bras. Ok, d'accord. Donc Sylvie Bédard, on a vu. Ça, c'est les noms qu'on voit sur la map. Donc c'est tous les séries d'aussi. Cela ne faisait pas. Ah mon dieu, William Hamilton. Le docteur et Hamilton se connaissaient bien. Hein. Blessure par balle au pied pendant la deuxième. Autant, ça ne se guérit pas, douleur chronique au pied. Il peut marcher sur le stand riche. Un jour, je l'en guérirai. L'humour est vraiment excellent. Ça change un peu d'écriture US classique. C'est vraiment pas mal. Intéressant. Bon. Coucou. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant la lumière vers les cavités du patient. Non mais... C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Mais à cette époque, c'est-à-dire que le narrateur, il n'est pas à notre époque. Enfin, il n'est pas à l'époque du jeu. Bizarre. Enfin, il dit à cette époque, donc ouais, sous-entendu. Bizarre. Dans les placards, c'est bien beau de faire des placards animés. Ça va, on est en plein tabac. Manifeste communiste. Oh mon dieu! Un manifeste communiste. Mélenchon. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison. Et encore, à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre? On ne tue pas un riche patient pour faire la révolution. Cette histoire ne tenait pas debout. Ouais, je pense pas que le docteur... Il fallait creuser, fouiller, comprendre. C'était justement la spécialité de Carl Faubert. Je ne vois pas. Non, on a trouvé un livre sur le communisme, alors Mélenchon, tout ça, tu comprends. Maintenant que tu fais des selfies avec, frère et sec, dit-on. Ok. Faut vraiment que je reconstitue. Je peux aller dans le sens où je veux, un petit livre rouge, exactement. Le problème, c'est que je sais pas vraiment quoi chercher. Il avait fait ses classes loin d'ici, le docteur Beaupré. Merci, il va même avoir été parmi les premiers étudiants du nouveau campus à s'établir à flanc de montagne. D'accord. Ah mais je sais... Ah pardon, je croyais que t'avais pas entendu. Mais le truc c'est que tout à l'heure t'avais pas de son, alors je me dis là t'as peut-être plus d'image. Excuse-moi ça.
M'énerve, c'est tous ces petits objets que je vais être obligé de revenir après avec ce qu'ils font, ça me... C'est Squeezie pour moi. Hey, youtubeur, pareil. Allez, un petit coup de chanson pour ça. En mode, elle n'avait pas de jambes. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de jambes? Mais il y a deux portes, attendez, c'est quoi? C'est une chambre, ça? La serrure n'est pas suffisante, oui, quoi. Eh ben, quoi? De quoi? Fais en bruit. Okay. Je comprends pas cette phrase, c'est-à-dire. Bon, bah, je peux pas rentrer, apparemment. Je peux pas tirer dessus, je pense pas. Attends, mon arme est... Comment je vise, au fait? Ah. Je me rends compte que je... Eh oui, mais viser, il veut pas. Ah, je peux pas tirer quand je suis dans la maison, peut-être, je sais pas. Ah bon, les gens... C'est bon, moi, chauffez-moi, parce que je dois gérer ma... D'ailleurs, comment je vais à niveau santé ou à santé mentale, ça va. Alors, où est-ce qu'on va aller? Étudions un peu notre map. Docteur Beaupré, Père Rosaire. Père Rosaire. Bah, ah non, c'est la meule, c'est une maison d'en haut. Alors, il y a le prêtre, la motte, Bédard, c'est un des mecs qu'on avait vu. Bon, je vais aller voir la maison, je vais essayer d'aller voir jusqu'en haut, là. Monsieur Hamilton, le client. Speed biche sur la porte. Bah, je pense qu'il me... Je vais Squeezie. Je sais... Ah, tu crois, mais c'est chiant parce que, du coup, l'inventaire rapide est quand même pas... Alors quoi, c'est inventaire. Pince, matériel, merde. Tu vois, parce que les tenailles, ils les utilisent automatiquement, c'est pour ça, je crois pas. Hein. Si? Peut-être. Non. Non, non, c'est... Mais c'était pas bête. Je crois que c'est vraiment juste une arme. C'est vrai qu'il... Enfin, il me laisse pas le choix de zoomer, il zoom d'office, quoi. Non, mais c'était pas bête. Toujours de bons conseils. Il y a Mitchell Noël. Je cherche ma map. Non, c'est pas ça. Où est la map? Non, bah écoutez, je vais sortir. Je vais pas trop explorer les petites maisons parce que je le sens pas. Et on va partir. On va le remettre dans la voiture, vous inquiétez pas. Hein. Je peux même pas courir du tout, ça y est quoi. Je sais pas ce que veut dire le petit icône de l'œil. Ah, c'est que je suis visible. Carl connaissait maintenant le docteur Beaupré. Ok. Ses affaires et son décor lui avaient parlé. Mmh. Mais ce que Carl avait entendu l'inquiétait. Entendu, j'ai entendu. Le jeu est long. Oh là là, ça c'est bien. Clex, bien. Fiasco, pas bien. Qu'est-ce que tu peux reprocher à ce jeu sans déconner? Tout ce qu'il faut. Et en fait, ouais. Là-haut, là-bas, sur les montagnes. Ah merde, non, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Bien sur ma copie. Avec un bon point. Un petit tampon d'un Lord content. Qui fait un pouce en haut. Attention, ralenti. C'est 10 miles par hour. Non, mais toi, tu l'as écrit lent. Clex, il a écrit élan. Lui, il est drôle. Toi, t'es pas drôle. Tu vois, après tout, allez, Clex, un petit Théo. Tac, c'est cadeau, c'est pour faire ça. Clex, tu as le droit, tu as autorité. Tu es juge. Je souris, voir si Clex va le faire. Bon. Allez. T'as les temps de chargement, ça va. C'est vraiment dommage. Alors, entre ça et Firewatch, par exemple, c'est pas tout à fait le même trip, mais techniquement, il est peut-être moins joli que Firewatch, dans le sens où il veut être absolument photoréaliste, entre guillemets. Mais ouais, il est plus recherché niveau enquête, écriture. C'est clair que ça va plus loin. Le Firewatch, c'était plus action. Ah, Simon, il t'a doublé, le salaud. J'avais pas donné trop l'autorisation. Oh, un accident de voiture. Glissement de terrain.
Je me disais que ça allait pas être aussi simple, j'allais pas pouvoir rejoindre. Fuck. À la place de la route du vide. Merde. Carl détestait les cul-de-sac. C'est pas Clex. Il se sentait ban, pas ban, c'est Simon. On aurait dit que la route avait été avalée par le lac. Il fallait trouver des secours par un autre chemin. Ouais. La piste était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvaient passer les propriétaires? Ils sont partis. Les traits d'arbalète avaient la même origine. Il n'y avait pas de doute pour Carl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? Rien de spécial dans la voiture. Les traces de loup. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Ouais. Carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. Manuel de Wilfred Roy. Non. Putain, mais... Manuel du garde forestier. Ça va être un certain Wilfred Roy. Eh ben, lire. Tu veux pas l'ouvrir? Fiasco. J'irai bien en bagnole, mais... Je vais crever de froid, quoi, à pied. Ouais, oh, quoi que... Ouais, il y a un chemin de randonnée, mais... Il y a un petit, une petite tour, là-bas. On va tenter. On va pas... Vous voyez, pas, on va pas... essayer de trouver la petite tour. 120 secondes. Toujours ça, on va pas non plus faire une photo à chaque fois. T'as, faut être taré pour faire une enquête dans ce froid-là, quoi. Ça rend... Mur de glace, bah oui. Non, ça rend super bien. Franchement, le truc climatique... Ah oui, c'est un mur de glace. C'est genre partie d'Overwatch, quoi. Il ressentit le froid habituel. Faut que je le règle. Carl le savait. Il sombrait dans une vision. D'accord. Carl connaissait bien ces images flottantes. Il connaissait bien. Il se demandait cependant ce qu'elle pouvait bien lui vouloir. Si, elle... ça fait que trois fois qu'il en a, je pense. L'esprit s'en alla vers la forêt, comme libéré. Carl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Okay, Carl connaissait son histoire à celui-là aussi. Ah bon? Je connais leur histoire. Oui, c'est la nana du médecin, c'est ça? Ah, si je veux progresser, il faut que j'aille fouiller les autres maisons pour libérer les... Voilà, j'ai fait le médecin et la femme du médecin. Ok, d'accord, pigé. Je crois que c'est ça. Et ça va briser le mur de glace, en gros, après. Mais il faut d'abord... Par contre, comment est-ce que je sors de la vision? Je ne sais pas. C'est mes traces de pas, ça. Ah, mais regarde la précision de la trace de pas, c'est wonderful. Est-ce que je sors de la vision là quand je marche? Carl s'éveillait. Ouais, ok, pas mal, pas mal. C'est bien fichu. C'est pas mal fichu du tout, mais alors par contre. Ouais, ouais, non, je peux même pas aller. Ok, donc non. Il faut que j'aille fouiller toutes les autres maisons. Mais ouais, putain, c'est intéressant parce que ça t'explique effectivement rien. Tu te pointes dans un pseudo mini open world. Enfin, tout petit. Map grande, mais je veux dire, c'est pas un vrai open world, et on t'explique pas plus que ça. Enfin, la voix off essaye, mais sans trop te brusquer. Et du coup, tu fais un peu le détective là. Attends, mais là, je suis où par contre? Là, je suis en train de me paumer encore. Ouais, je suis en train de me paumer parce que ma bagnole est pas là. C'est assez bizarre comme système pour se repérer. Bah, ok, on va faire comme ça, comme tour. Si c'est bon. On va pas dire au revoir, Lucas. Exactement. Kona Zelda, j'ai fait mon choix. Je fais cric le cracker. Elle est où mon automobile? Ah ok, c'est que j'étais en surplomb. Le surplomb baisse en auto. Mais là, mon auto devrait être là par contre. Elle est où ma fauve? Ma fauve auto. Ah. Alors, faut que j'aille trouver d'autres résidents. Bon, on va se mettre au chaud dans la Chevrolet. Hein, dans la Chauvrolet. Et on va jouer jusqu'à 23h. Bonsoir, Luc. Ah oui, mais merde, le truc c'est que quand je suis dans la voiture, ouais, faut que je sorte pour voir la map vraiment comme il faut parce que sinon je vois pas les noms qui sont inscrits. C'est un peu con ça par contre. Tu vois? Alors il y a la maison Blay, il y a le père Rosaire que j'aimerais bien voir. Bédard et Roy. La halte routière, mais là je ne peux pas y aller. On est à côté, on va faire Blay. On va faire Blay, on va air Blay. Et Blay, il habite air Blay. Une soirée Squeezie. Bon, ça va. En fait, j'avais peur que les indicateurs de chaleur, santé mentale, ce soit chiant à gérer, mais ça. Mais oui, mais Nintendo Chi, c'est un jeu d'enquête. Moi, j'aime bien. Hein. Puis j'ai peur que les aides d'action, toi, j'ai essayé de me servir du flingue tout à l'heure, j'ai pas pu. Attends, je suis pas déjà, quand même. Non, je suis pas. Quoique, je sais pas, parce que...
Non, c'est ça la maison de Blair. C'est la map en papier qui fait GPS. c'est la technologie qu'est Blair. C'est Dominique. Dominique Blair. Plex, c'est lui. Attendez, on voit pas où je vais. C'est là. Petite en chargement. Un petit peu de jeu de réflexion. Et puis franchement, un jeu aussi bien fini, indé, ça faisait longtemps qu'on avait pas des jeux propres comme ça. C'est très agréable à jouer, voilà. La jouabilité ne t'empêche pas de jouer. T'as pas de trouver des combines pour jouer malgré la jouabilité. C'est plutôt agréable. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien attendre leur... Comme une petite chaise. Qu'il n'y avait personne. Les buffs in-game, c'est lourd, mais... Ah, ils ont dû faire des concessions, je sais pas. C'est un peu dommage. Ouais, il y avait pourtant moyen de... Bizarre. Okay, là, il va falloir que je trouve, je farfouille un peu. Je farfouille. La la la. Tra, la, la. Avec ce froid, Carl sentait... Ouais, je vais rentrer. Indicateur, ouais, je suis mid... Ouais, ça c'est l'indicateur. Ils ne sortaient plus les orteils, c'est que... Oui, il faut vite rentrer. Allez, quand bon. On trouve une botte, on se demande toujours ce qui est advenu du pied. Mais n'importe quoi. On trouvait ça inquiétant. Mais non, je m'en bats des couilles. Allez. Cette fois-ci, j'ai pris des rondins. Ah, par contre, c'est mon dernière allumette? Non. Ah non, c'est qui ça coûte 1. Ouais, je fais un truc d'enquête. Oui, effectivement, pour le Cthulhu, j'ai vu ça. Je sais pas. Ça, c'est pas. Je dois pouvoir fabriquer un truc, mais je sais pas quoi. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Clé Cloutier et fils. Il y avait une inscription dessus. Ah. Ça disait Cloutier et fils. Comme une compagnie. Oh mon dieu, d'aspirographeux. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. Ok, bon, bah je vais aller ça. Pourquoi d'aspirant? Mon dieu, comment c'est creepy. Ah putain, le malaise. Pourquoi d'... Ah mais... L'imagination not included as well as fun. Connards. C'est le spirographe du connard, quoi. Le connards d'aspirographe. Mais il y a un farfouille, tralala. C'est d'aspirographe, quoi. Ok. Ah, il y a un truc qui a été bougé, regardez. Regardez. Ce meuble a été déplacé à plusieurs reprises. Ah ouais, on va le pousser, hop. J'avais vachement besoin. Petite Marie. Tu m'excuseras en écriture, j'écris dans la presse. Dans la presse, ça veut dire quoi? Alors, soit j'écris dans le journal, ce qui n'a aucun sens, soit je suis pressé, je crois que c'est ça. On se sauve vers Manastanor avec maman et madame Roy. Elles disent que vraiment ça devient trop dangereux, je comprends rien parce que maman veut me rassurer alors qu'elle a le même visage que lorsque je la fis sursauter. Papa et monsieur Roy sont des vrais héros, ils sont allés chercher monsieur Hachan, c'est pour ça que je pars sans eux, j'espère qu'il nous rejoindra. Ton ami Martin, qu'est-ce que ça veut dire? Martin Blais. Bon. Refiasco, ça t'a fait du bien? Tu es reposé? Tu l'es tendu? N'hésite pas, si tu en as besoin, on recommence. L'ampoule est brûlée. J'ai écrit dans direct ce matin. JPP. Un accident insoluble. Une enquête. Ah merde, il est mort. Pierre blesse son père dans la table de suivre de ressources. Quand Pierre met à tous ses caméras, ça va être mis en garde. Un accident dans les forêts du lac Atabipec. Sans vie, il y a deux semaines, non loin d'un sentier. Mais non, je peux pas descendre. Ah bah ça bloque, attendez. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop pu lire, c'est à moitié bloqué, je pouvais pas... Dans la presse hydraulique, non, ça n'a aucun sens. Toujours pas ce que je fais, c'est pas un peu de lecture pour passer le temps, allons dans un caca. Ça rentre dans la tête. De l'argent dans la jarre. Mm-hmm. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. Ah mais y a des rice crunchy dans la jarre. Ce serait ouf si cette musique avait un rôle, tu sais, genre, tout le monde écoutait cette satanée chansonnette qui les avait tous hypnotisés. C'était devenu fou. Et moi, à la fin, toi, ça finit comme ça, je me tue parce que je suis devenu fou de la chansonnette. Talon payé à... C'était le reçu pour un travail de misère. Mmh. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et fils. D'accord, ok, oui, très bien. Les gens qui lisent en faisant caca, oui, ce serait... Pas des biscuits à la place. Je voudrais être opéré en petit écolier. Oh, il y a un Dix. Ah mon dieu! Ce jeu a des refs, mais du turnuf, quoi. Mais Joe Dassin, mais... Mais putain,
Putain, mais je veux mettre Joe, je veux. Enfin, pour des questions de droit, je pense qu'on ne pourra pas mettre Joe Dassin. Il en a deux. Il l'a en double. Bon, il a aussi un groupe inconnu. Je sais pas quoi, les Beatles, là, je sais pas quoi. Rolling Stone, je sais pas, les Tin Pan. Ah là là. Joe Dassin. OM fucking G, quoi. Tac, les, ça choque. Et moi, je fais des jeux avec Joe Dassin, bref. Eh ouais, eh ouais. Je sais pas, Zelda, Breath of the Wild, là, comme Monsieur Mainstream Bahama. Un réveil précipité. Carl y vit le désordre de la fuite. D'accord, si tu le dis. Que s'était-il passé? Si tu le dis, Carl. C'est un peu la même structure de maison. Evidence. Le jeu du détective. C'est un jeu pour moi, ça. Ah, oh, mon dieu, des cartes de footballeur, je crois. Ou non, de hockeyeur. Bah non, de hockeyeur, je suis bête. C'est génial. Ah, dessin. Le monstre, oh. Bah, on ouvre la partie sur Slender, maintenant. Oh, l'effet de déformation de l'eau est très intéressant. Pi. Mathématiques. Sixième année, ok. Il n'y a pas un truc de... Il n'y a pas Wayne Gretzky, c'est le seul que je connais. Ouais, je sais pas, c'est très mal écrit, puis les photos sont curieuses. Des chaussettes. Le jeu pour toute la famille. Bingo ou dingo, je ne sais pas. Des bouboules. Il a quel âge Ah, c'est son fils, bah oui. Écran magique. Création prodigieuse pour un écran magique, en effet. Tagada, tagada, voilà, Milton. Tagada, tagada. Evidence, le jeu de Captain Obvious. Seuls les esprits tourmentés fument au lit et tous les autres aussi. What? Ok, il voulait faire sa valise, mais il a pas eu le temps de partir. La poubelle, pas de biscuits. Il y a une autre musique, je crois. Je suis choqué. Journal de Louise. Alexandre me fait craindre le prix d'or presque plus, je crois que c'était le travail, mais ça semble bien pire. Regardez la vie à tous les heures, parce que la fin de soir. Le père avait peur de quelque chose. Évidence, c'est le clou canadien, mais oui, le credo. Traduisent tout les Canadiens. Ah, Fiasco s'en souviendra. On peut pas s'en souvenir s'il est ban. Ah, t'as vu, je fais les mêmes en, hein, en live. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a que moi. Moi j'éteins la télévision. J'aime pas trop ça. Holy fuck. Oh, un petit loup. Bon, je vais me préparer mon arme à feu, mais j'y crois pas trop. De toute façon, je peux de toute façon pas viser, j'ai l'impression, ça. Oui, tchou. Oh, il ferme la porte. C'est le best loup ever. C'est pas un loup qui... Bon. Qui mangeait quoi, une chaussette? C'est quoi qui l'a fait tomber, là? C'est la nourriture, ça? Je ne crois pas. Il y a un truc avec les loups. On va fouiller encore un peu. La salle de bain. Ah non, j'y suis déjà allé en plus, c'est rien de spécial. Le spirographe amusa Karl. C'était un bien beau moderne. Jouet, bien moderne, complètement inutile et au maniement répétitif. Stream de mer. Il faisait pourtant fureur dans les chaumières québécoises. Il faisait, tu vois, il... de bière, mais qui sert dans le frigo, hein. On va faire le frigo. La chaumière, peut-être. Une photo prise dans la maison. La même tapisserie sur les murs. Ok. À voir les sourires, personne ne se doutait que bientôt le calme allait se briser. Martin Blais avec son oncle Pierre. Comment il sait ça? On sentait une belle complicité. Ah, ouais. Et beaucoup de fierté. Ah, on la sentait bien, moi je la sentais. Dommage, pense à Karl, que Pierre Blais ait connu un sort aussi cruel. Mais là, j'ai pas découvert grand-chose en vrai, quoi. Jamais le ventre vide et surtout la bière. Bon, on va aller fouiller ailleurs. On a fait les blés. Là, il y a un... Je sais pas ce que c'est, remise, là. On voit des lits, mais c'est pas des maisons habitées. C'est pas des chambres d'hôtel ou des haltes. On va aller fouiller ça. On va aller se mettre à côté. Et puis, je pense que ça va terminer le live. Bon, Lucas. Quand on trouve une botte, ouais, on sait. On connaît la théorie de la botte de Karl, on la connaît. Je regarde un petit peu aux alentours, mais logiquement... Oh, on va fouiller quand même, on sait jamais. Du bois. Voilà, tirons là. On entend, putain, à travers cette chanson, mais... On s'en souviendra longtemps. Ah, j'ai pas trouvé la clé de la cabane, par contre. Ah. Enfin, je crois pas, hein. Je vais essayer d'ouvrir rapidement, je me souviens plus. Juste essayer...
Les rapidos. Il y a quelque chose. Ouais, c'est peut-être bien ça qu'il faut que je trouve. Ah, enfin une bouteille. C'est la première fois que j'en vois une. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros bug. Hein. Où est-ce qu'on cacherait la clé? Dans les pots de fleurs. C'est bizarre, dans la botte. J'aurais bien mis dans la botte. Mais la botte, botte. Choudassin s'en souviendra. Le JDG, j'avais commencé, puis ma foi, c'était l'heure. Alors j'ai dû venir pour vous. Je m'arrête pour vous de faire mes activités, pour faire d'autres activités. Domino. Énigmatique, attaché corde, je ne peux toujours pas. Bon, je cherche cette maudite clé, mais je sais pas si je vais la trouver, parce que là je l'aurais pensé la trouver là. Alors, est-ce qu'on l'a trouvée dans une autre maison, chez quelqu'un d'autre, ou là où l'autre s'est enfui en précipité? 5 minutes, je regarde le JDG. Mais qui, à qui tu crois qu'il me dirait ça, Clay? Je suis tout seul. Oh, mon immense Brotesse. Eh oui, immense Brotesse. Canadienne grande exhibition. Montréal. Pulp and Paper Pavilion. Waouh. Bon, non, je crois que... Bizarre que j'aurais raté la clé, parce que je me sens bien avoir fouillé à peu près tout. Bon, c'est quand même du bon jeu. Techniquement, c'est très solide. Et bon, je sais pas combien ils sont derrière, mais clairement, on commence à être dans l'ambiance. C'est un peu, ouais. Ah, les textures sont un peu, c'est trop propre, voilà. C'est très éclairé aussi. Je fais un cameo à la fin. Bon, on va changer de maison. Et oui, je suis maître dans ma demeure. Master of the Domain. Pour ceux qui connaissent la ref, on va voir si Clex a la ref. Master of your Domain, il faut la... Il faut l'avoir celle. Sur les montagnes. Bien attendons, belle rose. Celle qui les garde. Prochaine à gauche. Oh merde, j'ai arrêté la musique. Attention, tout. Ah, attendez, il y a un petit. Ah, temps de chargement, ouais. C'est pas un petit buff, c'est. Pause, ça charge, quoi. Je sais pas, The Long Dark, on va. Voir ce qu'il y a marqué sur le truc. Ceci là pour... Ah, Cloutier et fils. Ah oui, bah, j'ai la clé, donc c'est bon. Ok, il y a juste à pousser, ok. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il bossait pour lui. Allons-y pour Cloutier et fils. La musique d'ambiance qui essaye de mettre en place un truc, puis l'autre... Les montagnes, ding 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 dong, ding ding ding. Terre à bois. Alors oui, il y a des petits entrepôts. Ça, je l'avais fait dans la rue Access. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Logia, petit dessin. Ouais, Seinfeld, Clex y connaît. C'est un des meilleurs épisodes, tu vois. Je suis pas fan de tout Seinfeld, j'avoue, c'est trop obscur pour moi. C'est vraiment trop new-yorkais, années 90, mais early, quoi. C'est une cabane typique, de celles qui peuplent les légendes québécoises. Les légendes québécoises. Les bûcherons s'en servaient pour se reposer. Okay. Et deux fois par jour, c'est là qu'ils réchauffaient la soupe au pois. D'accord, je joue aux échecs tout seul. Non, si c'est stylé. Moitié pleine, moitié vide. Putain, c'est trop un poète ce mec. Ah, ça fait une petite ambiance. C'est vrai que ça marche bien parce que tu sors du froid, t'es dans, enfin, dans ta voiture, donc tu sens pas vraiment trop le froid longtemps. Et tu rentres, t'allumes le feu, tu te sens mieux, c'est con, hein. Et c'est pas à cause de l'indicateur, c'est vraiment parce que le bruit de la neige est réussi et la luminosité joue bien. Et tu vois un petit truc en boîte, t'as envie d'allumer le feu, tu te sens cosy. C'est cosy, c'est cossu. Et je peux même pas ouvrir la petite... Non, c'est vraiment juste histoire de me réchauffer, là c'est du gameplay. Bon, qui sert à rien parce que paradoxalement il est pas assez exigeant. Enfin, pour l'instant j'ai pas eu de scène où je dois absolument me réchauffer. La clé poète qui écoute Joe Dassin, je suis assez d'accord. Enfin non, il n'y a pas que les poètes, mais les poètes écoutent Joe Dassin. En tout cas. Une hache, c'était toujours ça de gagner.
Carl croyait avoir besoin de protection. Moi, j'ai un flingue, donc ça va aller, hein. Bon, c'est bien, je me stuff. Bon, là, on va y aller à pied parce que je sais que c'est un petit peu loin. Je sais pas trop à quoi ça me sert, mais bon. Prendre des bouteilles d'eau, on peut remplir en eau. Ambiance. Ah bon, ça a changé de musique, dis donc. Je crois que le jeu a vraiment... a bypassé la musique de la bergère pour dire qu'on quand même on va mettre un peu d'ambiance. Ok, donc là, les bois sont... Les arbres sont, bien coupés. Exactement. En fait, leur pistolet tire des haches. Attends, il y a un chemin à gauche qui amène vers un autre hangar, je crois. On va y voir. Il y a un chemin à droite. Des bons bruitages aussi. C'est un truc tout con, le bruitage des vêtements, toi, du blouson en cuir et tout. Deezer version, c'est long, c'était attendre. Le trésor d'Ali Baba, version bûcheron. Carl trouverait bien là quelque chose avec de quoi s'amuser. Avec de quoi? Fusée éclairante là, c'est la salle du coffre de Resident Evil, tu sais. Notre cabane à outils. N'oubliez pas de remettre la clé pour la cabane. Pour Paul et Jean-Pierre, merci pour votre spatial. Le prochain bus pour Shibukamo. Après, ce sera dans 2 semaines. D'accord. Clé de la cabane de la forêt. Ben, c'est pas là où je suis. Un aimant, d'accord. Véhicule plein. Ok, bon, je récupère des trucs qui pour l'instant me semblent. Enfin, m'ont jamais fait défaut. Mais tant mieux. D'accord, ce serait temps pour moi. Ce serait temps pour moi. Tout à fait, je suis d'accord. Mais écoute. Matériel. Je sais pas ce que ça veut dire matériel, mais je dis matériel, ok. Putain, là, c'est vraiment. Il a cru que j'avais déjà plus rien, quoi. Mais je fais peut-être ça dans un ordre particulier, donc comme on peut faire dans l'ordre qu'on veut, il est obligé d'en mettre partout parce qu'il se dit... Attends, je voulais peut-être voir la map avant de sortir. Attends. Ouais, il y a remise. J'ai pas encore vu de truc cloutier et fils en fait là. Tenauer Berger. Ah, faut que je fasse demi-tour. On a envie de danser le quadrille. Ça. Ah. Petit son de banjo. Putain, c'est vraiment le pare-brise qui est mal fichu, on voit rien, putain. Adieu, mais on n'est pas dans Resident Evil 7. Là. Pas dire au lance-flamme, lance-roquette, cutter plasma, tu vois. Ah, c'est pas Resident Evil, mais c'est tout comme. Alors attends, stop, il y a 2 trucs. Je sais pas, il y a 2 trucs, on dirait. Ah non, c'est juste c'est un truc pour tourner en rond pour faire demi-tour, ok. Ah, encore une flèche, là. Truc spécial avec cette flèche, histoire de flèche, c'est bizarre. Bah c'est plaisant à jouer, c'est relaxant mais tu avances quand même. Carl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Sacré Carl. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce. Jeter la photo. Car jamais le tireur ne semblait s'en approcher. C'est la même. Qu'était-ce donc? Une vraie grotte cette cabane-là, pensa Carl. Ouais. Il faisait beaucoup trop noir. Fallait faire attention pour pas se cogner sur les meubles. Est-ce que le narrateur, c'est vraiment ça que t'avais besoin de me dire? C'est ça ton... Oh, c'est le garde-manger. La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Ah oui, c'est un solitaire en France. Ça semblait bien triste comme activité. Il y avait une autre activité moins triste. Comment ça se dit en canadien, la pougnette? Oh, la pougnette, c'est ça. Ils avec du linge propre. Oh. Ouverture de sac, d'accord, c'est tout. Pourquoi tu ouvres le sac? Attends, mais là il y a un problème. Tu animes une ouverture de sac, mais il n'y a rien dans le sac, ou tu me dis pas, il n'y a rien dans le sac? Brosse à dents. Il est encore tout humide. Pour un encore bien mérité. What? On dirait qu'on n'avait pas quitté l'endroit depuis longtemps. Mais sans trop savoir pourquoi, Carl avait l'impression qu'on n'y reviendrait pas de si peu. La maudite. Ouais, apparemment tout le monde s'est enfui. Parce que, je sais pas, il y a un truc bizarre. Petite photo là-bas. Je ne sais quelle actrice, que je ne reconnais pas. Le truc du sac, c'est perturbant. J'avoue, ça me choque. Il y avait
avait fait sa main droite aussi. Je suis le mec qui a encadré une photo de maison, il se pougnette là-dessus. Je me pougnette sur Logis et Baptiste. L'autre, il a une photo d'actrice, on va dire, mais l'autre, il se pougnette sur un chalet, quoi. Un peu plus. Ah, l'éclairage est vraiment cool. Quand tu sors et tout, ça te brûle les yeux. C'est très réussi, ça. Bon, bah, y avait rien de spécial. Mais Cloutier et fils, c'est bizarre. Ah, mais attends, on va... J'ai pas vu les traces de papa, on va y voir. En général, c'est un bon indice, ça. C'est intéressant, vous voyez, on me crache pas la gueule qu'il y a un truc à suivre, mais si je fais un petit peu attention, il fait pleurer la baleine, comme on dit. Si tu le dis. Il fait le même bruit. Et les loups sont là. De pique-nique. Oh fuck! Bah, je peux plus tirer! Je peux plus tirer! J'ai qu'une seule balle! Ah, je crois que ça bug ou j'ai plus qu'une seule balle. Ah merde! J'avais pas prévu! Ok. Je n'avais jamais pensé qu'il danserait avec les loups. Ah vache. Heureusement, parce que moi-même je ne suis pas des plus vivaces. Je pensais pas, parce que depuis tout à l'heure on... Bon, ça, j'avais perdu un peu de soin, mais ça. On se bagarre pas avec eux depuis tout à l'heure, non. Ouais, je prends l'âge. Mais du coup, le flingue, j'avais qu'une seule balle, merde. Je savais pas. J'avais pas fait gaffe. J'ai peut-être gaspillé. Est-ce que ça valait le coup ce combat? J'ai pas l'impression. Hein. Je peux pas péter les. Ça se trouve depuis tout à l'heure. Je regarde quand même, mais non, je peux pas. Non, il fouillait les poubelles, d'accord. Poursuivre le loup, mais. Un peu d'action. Ouais, du coup, l'action pas terrible. Le flingue qui. Je peux tirer qu'une balle alors qu'on voit qu'il y en a dans le barillet d'ailleurs. Ah merde, des traces s'arrêtent là, on dirait. Je suis en train de me perdre, enfin je peux pas, j'ai ma map GPS donc je peux pas me perdre, mais il y a un truc au pied de l'arbre là. Ah oui. What? Carte au trésor. Oh fuck. C'est derrière la station essence. Ok, derrière le magasin. Petite un truc girafe, comment ça s'appelle, Sophie? C'est moi qui fais ce bruit. Là, je suis où? Ah, mais je suis pas loin en fait du magasin général. Il y a un feu, un truc allumé sur la gauche. Ok. La 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 la. Quand je combats les loups, c'est ma chanson de prédilection, ça. Je vais quand même garder ma voiture parce qu'il faut pas que je m'éloigne trop à pied, je pense. Donc c'est qu'il y a un poil. Il y a un poil de. Bon, j'ai pas trop compris le truc des loups là. Hein, le petit feu, c'est juste pour dire qu'il y a un camp là, c'est ça? C'est terre de pique-nique, c'est même indiqué, c'est bon. Bon, on remonte la piste des loups à rebours. Je vais prendre la voiture et puis on va aller se poser vers une autre maison. On va peut-être s'arrêter pour regarder cette carte au trésor là, mais. Je pense pas qu'on va trouver quelque chose de. Enfin, ça va être du consommable, les trucs comme ça. Hein. Qui filent le cancer avant. C'est du mauvais plastique. J'ai pas suivi l'histoire. Je ne sais pas. Tu es apparemment. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Piquer les couilles. T'inquiète pas, Carl. On rentre dans ton mode Zéchar. Bon. Musique triste. Sad Canadian Song. Attends, c'est bien pas. Ouais, mais du coup, je suis déçu parce que j'ai pas. Enfin, Cloutier FI, c'était juste ça ou c'est juste la Siri, quoi. Pas la Siri. Ah, t'es vrai. Attention, Mozi. Mais il accélère tout seul.
Et je peux pas le casser, je pense. Je peux essayer, remarque. Voilà, maintenant que je suis au chaud dans ma voiture, c'est trop tard. Si j'en vois un, j'en vois partout de cette façon. On va ressortir, puis on va aller voir un peu plus bas. On va passer devant le magasin, il y a des parties sympas. Plein d'appartements à visiter. Attention. Aïe, aïe donc. J'ai pas trop envie de fouiller la carte au trésor, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Ah, ça y est. Ma musique préférée. Ah, si je passe juste à côté, c'est con. J'ai le regard là. Hein. Faut quand même... D'accord, il freine. Je me dis, j'aide pas comme un bourrin comme dans GTA. C'est derrière le truc. Ouais, je vais me mettre au chaud. Bonne ambiance. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je regarde juste là. Enfin, si je peux, mais. C'était. Je sais plus exactement. Ce qui est chiant, c'est que. Eh, mais je sais mettre. Ça, c'est chiant, par contre. C'est relou parce que. C'est la grosse perte de temps là, quand même. Faut que je suive la rivière derrière la station service et c'est bon de la rivière, ok. Donc, la rivière, ok, ouais, bah je vais sortir puis je vais suivre la rivière. Où est cette maudite rivière? Sortir ma map. Ok. Et là, c'est plutôt vers par là, quoi. J'y suis là presque. Par là. Ouais, je sais pas exactement ce que je cherche en fait. Hein. C'est une boîte pareille que celle que j'ai trouvée. Ou... Pas que j'ai la carte, sinon j'ai peut-être raté une interaction possible. Moi, je suis chercheur de trésor. Il n'y a pas de soucis. On ira essayer de casser ça après. Alors, je vais juste d'abord trouver le trésor un petit peu là, je cherche bien. Je farfouille, tralala, tralala. Je cherche un trésor près de la rivière, mais je le trouve pas, tralala. Je farfouille, je patrouille, tabernacle, zéro de la caribou. Maudit là, maudit trésor, où es-tu caché pour me condamner? Je vais re-regarder. Est-ce que c'est quoi? C'est plutôt près du feu de camp? C'est pas précis comme map. C'est pas la grande précision. Plus. Ouais. Un peu par là quoi. Ah ouais, il y a des loups encore. Ah bah attendez. Cette fois on va le mettre en raccourci. C'est quoi cette roue? Voilà, on va mettre la hache en raccourci. Comme Atmi, les loups. Cette fois-ci, je suis prêt. Danse avec les loups. Je n'avais jamais pensé qu'ils en seraient avec les loups. Ouais, tu vas pas me faire la même vanne à chaque fois, par contre, Karl. Bye bye, Simon. Bon, ça va être la fin, là. Bon, je trouve pas le trésor. Je pense y être, mais... Ah, à peu de choses près. Choses près, c'est là, quoi. Exprès pour que je cherche un peu, mais ça baisse pas tant que ça la chaleur, elle est quand même robuste. Carlito, non, je sais pas, est-ce qu'il faut que je creuse au sol et tout, ça rien. Bon. On va retourner à l'automobile et puis on va se sauvegarder. Alors, je sais pas quand ça se si on peut sauvegarder quand on veut, de toute façon, on s'en fout. Allez, on retourne dans l'auto. On va essayer de péter ça, tiens, vas-y. Je sais plus qui c'est qui voulait que je pète. Tiens, est-ce que je peux péter ça? Oh non. Non, pas du tout. Petite mécanique de rebond de l'arme qui est plutôt sympa. Ça marche pas à chaque fois parfaitement, mais... Moins que ce soit ça le trésor, le caca. Ah,
Ça, c'est un trésor pour Plex 3D. Et oui, c'est son fonds de commerce. C'est ça qui fait les blagues avec. Bon, c'est très bien, Conan. C'est un rythme un peu lent, mais t'avances quand même dans l'histoire. Et c'est agréable à parcourir. C'est un peu comme Firewatch, en fait. C'est un peu cette sensation-là, c'est que... C'est pas contemplatif, parce que là, c'est que de la neige, c'est plus de l'exploration. Mais il y a ce soin apporté aux petits détails qui font que c'est toujours agréable à... Ah, je peux pas sauver la voiture. Attends, ben, je sors. Je vais aller vers la bâtisse. Alors, oui, parce que la voiture tournerait pas. Je sais pas. On va se mettre dans le magasin. Et donc, oui, c'est comme Firewatch, mais avec un scénario. Beaucoup plus travaillé. Et on va se quitter en plus sur cette belle chanson. Je mets juste à côté. Allez, on y va, les amis, on va chanter la belle chanson. Je vais juste arrêter la capture parce que je vais mettre plutôt voilà, en fin de stream. Pap. Et on va se quitter sur cette belle chanson. Attends, parce que je sais pas si c'est pas trop fort du coup. Allez, je vais vous dire bonne soirée. La 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 la, moi je vous dis bonne soirée et rendez-vous la prochaine fois pour le tweet de Conan Malpapalmax. Si c'est super, bonne soirée.